Bonsoir, un mercredi sur deux, vous découvrez les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Avec nous ce soir, une jeune fille qui, enfant, rêvait de devenir chanteuse. Un rêve qu'elle réalise très jeune avec succès. Après plusieurs tubes, elle connaît un passage à vide, mais elle rebondit à la télévision, la radio et dans la comédie. Après sa participation à une émission de télé-réalité, le grand public devient friand, devient fan de ses remarques et de ses réflexions sur le monde, qu'on appelle désormais les évangélismes. Alors qu'on la prend pour une blonde écervelée, là encore, elle transforme la situation en s'auto-parodiant et en créant un personnage qu'elle présente désormais dans un spectacle intitulé « Drôle malgré moi ». Je veux parler de Evangélie. À ses côtés, celui qui a débarqué dans le paysage audiovisuel français avec éclat. Après avoir réussi brillamment des études supérieures de commerce, il décide de tout abandonner pour se tourner vers sa vraie vocation, la comédie. Il connaît brutalement la célébrité, en réveillant pendant 2 ans la France entière à grands coups de mégaphone. Depuis, il enchaîne les succès sur scène, au cinéma et dans des clips vidéo qui parodient les boys bands et les chanteurs de rap. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi, puisqu'il devient réalisateur de longs métrages, un film qu'il a également écrit et dans lequel il joue et qu'il vient nous présenter ce soir. Mesdames, messieurs, je suis très heureux de recevoir Michael Youn. Dans un instant, Eve et Michael vont s'installer dans ces fauteuils pour répondre à mes questions, mais je ne serai pas seul face à eux, puisque certains de leurs proches seront ce soir mes complices. Ils seront cachés là-haut, dans cette bulle, et pourront me souffler leurs questions dans l'oreillette. Ils vont parfois les déstabiliser, nous aider à mieux les cerner. Vous verrez tout, vous entendrez tout, mais pas eux. Voilà, à la seconde où je vous parle, Michael et Eve sont enfermés dans leur loge, ils sont coupés du plateau, ils n'ont ni le son, ni l'image, c'est fait exprès, ce qui va me permettre de vous présenter à leur insu mes complices. Mon premier complice et Michael Youn se sont rencontrés il y a une quinzaine d'années. Ils ont en commun le même humour potache et les mêmes délires devant la caméra, mais aussi dans la vie. Merci d'accueillir Benjamin Morgan. Benjamin trouve son ami excessif, il a même surnommé l'attachant. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Mon deuxième complice est lui aussi l'un des meilleurs amis de Michael. Ils se sont rencontrés sur Fun Radio, depuis ils ne se sont plus quittés. Avec Benjamin, bien, ils forment un trio inséparable. Merci d'accueillir Vincent Dezania. Vincent a bien l'intention ce soir de ne pas épargner son copain et de lui faire des révélations sur la personnalité de Michael Youn. Bonsoir. Allez, ma troisième complice partage tout avec Michael Youn. Elle est comédienne, comme mon invité, et comme lui, elle ne recule devant rien pour faire rire. Elle tient le rôle principal féminin dans Fatal, le premier film de Michael en tant que réalisateur. C'est sur les écrans le 16 juin. Merci d'accueillir la compagne de Michael, Isabelle Funaro. Ce que Michael aime chez Isabelle, c'est qu'en tant qu'actrice, eh bien, elle n'hésite pas à se ridiculiser et en même temps à rester glamour. Bonsoir. Bon, bienvenue à tous les trois. Vous savez que les téléspectateurs se posent une seule question. À ce moment précis de l'émission, c'est comment vous avez fait pour lui cacher que vous étiez là? Combien il mesure? C'est-à-dire? C'est ça ce qui se demandent les gens. Les gens se demandent combien il mesure et comment vous avez fait. Il a essayé de vous poser la question, vous l'avez embrouillé, comment ça s'est passé? Oui, c'est pas évident. Moi, effectivement, je vis avec lui, donc ce n'est pas facile tous les jours. Ouais, c'est génial. Mais non, il ne sait rien. Bon. Ça fait 5 ans qu'on ne se voit plus, donc ça va. Normalement. Bon, on sait que vous l'adorez, mais vous allez balancer un peu quand même. Ah, on l'aime pas. On va le déchirer. Il y a des petites infos croustillantes. Il y a tout ça. Génial. Bon, allez, je vous présente vos nouveaux amis de ce soir, ceux qui vont passer la soirée avec vous dans la bulle. Mon premier complice et Evangélie se sont rencontrés il y a 6 ans sur l'émission de télé-réalité La Ferme Célébrité. Ils sont devenus amis et le sont restés. Mon complice est la première personne que Eve appelle lorsqu'elle a besoin de conseils. Merci d'accueillir Vincent McDoom. Eve assure qu'elle passe son temps, même à la maison, à imiter Vincent McDoom. On verra ça tout à l'heure. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai failli ne pas vous reconnaître en coulisses.
Là, c'est ça que je vois, c'est le coupe de cheveux, alors. Nouveau look. Bien évidemment. Bon, alors, mon deuxième complice est très proche depuis toujours d'Evangélie. Depuis qu'elle est toute petite, il est très protecteur envers elle. Ève lui en a pourtant fait voir de toutes les couleurs, car enfant, elle était très capricieuse. Merci d'accueillir le grand frère d'Evangélie, Olivier Garcin. Olivier connaît bien Ève et ce soir, il est prêt à balancer sur sa petite sœur, il nous l'a promis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Enfin, mon dernier complice et Evangélie se sont rencontrés il y a 12 ans à Montélimar lors d'un concours de chant. Ève n'a pas gagné le concours, mais mon complice l'a remarqué et depuis, eh bien, ils ne se quittent plus. Ils ont décidé de devenir mari et femme. Il est devenu son manager. Merci d'accueillir Michel Rostin. Michel et son mari, son manager, et ce qu'elle aime chez lui, c'est son côté raisonnable et réfléchi. C'est la sécurité, dit-elle. Bonsoir. Ça va bien? Alors, je vous pose la même question, Vincent. Est-ce qu'elle a essayé de vous appeler pour savoir si vous étiez là? Et comment vous avez réussi à cacher votre présence? Ça fait un moment que je n'ai pas vu Eve encore. Ouais. Elle ne sait pas si je suis là ou pas. De toute façon, elle ne va pas vous reconnaître déjà. Non, pas du tout. C'est pour ça le déguisement. Moi, je pense qu'elle va me reconnaître, mais elle ne sait pas que je suis là parce non. que elle je suis censé être au boulot. Elle ne m'a pas appelé directement. Officiellement, vous êtes où là? Au boulot. D'accord. Michel, dites la vérité. Comment vous avez fait, Pop-Pop? Moi, je suis censé être dans la loge. Je me suis pas rasé ce matin pour pas qu'elle se doute que je fasse l'émission. Et on m'a fait sortir 5 minutes. J'ai changé de chemise et je suis là. Ah, les subterfuges, j'adore ça. Bon, je vous laisse aller dans la loge parce qu'on me dit qu'ils sont en train d'arriver. Je vous laisse aller dans la bulle. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Dans la bulle. Voilà. Pendant l'émission, d'autres complices vont arriver. Mes complices désormais portent des numéros pour ne pas faire de gaffe. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Mes invités arrivent, mes complices disparaissent. À tout à l'heure. Si je suis pas morte de honte d'ici là. Voilà, oui, Evangélie nous rejoint. À partir de maintenant, je fais très attention car je sais qu'elle m'entend. C'est bon ? Evangélie a réussi dans sa carrière, dans son parcours, à réaliser quasiment tous ses rêves, à rebondir à chaque fois. Et je suis très impressionné par ça et surtout par son sens de l'autodérision. On a voulu la faire passer parfois pour une blonde à forte poitrine et cervelée. Et bien, je peux vous dire qu'elle joue là-dessus, elle a créé un personnage. Et donc, elle est notre invitée et je suis ravi qu'on la connaisse vraiment ce soir. Est-ce que vous pouvez lui faire un triomphe, mesdames, messieurs ? Evangélie ! Comment ça va en vrai? Ça va bien. Bon, un petit peu de pression parce qu'il paraît que je suis la seule à rien entendre ce soir. Ouais. Même le public va tout capter. Donc, bah, je suis habituée à rien capter, donc ça devrait aller. Ok, donc vous avez dit quand même dans le couloir, j'ai entendu, bon, dans 2 heures, je serai morte de honte et tout. Pourquoi vous pensez ça? Oh, bah, parce que selon les personnes qu'il y aura, surtout selon ce qu'elles vont raconter, parce qu'on a tous des petits dossiers, entre guillemets. On a tous fait des boulettes, quoi, c'est ça? Oui, surtout moi. On fait tous des gaffes. Mais en même temps, voilà, ça dépend qui y aura, en fait. D'accord. Ça, bon. C'est tout le mystère. Hein. C'était vos amis jusqu'à ce soir, vous le savez. Ah, ou ma famille, on verra. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que vous ne serez pas seul dans l'aventure. Un garçon qui va nous rejoindre d'une seconde à l'autre, Michael Youn. Il fait chaud. Je ne sais pas ce que j'ai très très chaud. Un petit peu peur, mais surtout très... Attention, la marche. Oh, la vache. Allez, on y va. Est-ce qu'il vous paraît plus décontracté que vous? Pas vraiment, parce qu'en fait, lui, il a été dans les invités qui disaient des choses. Ouais, bah ça va. Donc, il sait encore plus poli, comment ça se passe. Donc, il a la pression de passer de l'autre côté, en fait. Hein. D'accord, il voulait expliquer ça. Voilà, il a peur d'être l'invité. Vous savez qu'il nous entend, là. Ah bon? On dirait qu'il arrive sur un ring, il a sa bouteille d'eau. Bien sûr. Préparation physique. Oui, je vous entends, effectivement, oui. Et donc, mesdames, messieurs, je vous demande de lui faire un triomphe. Michael Youn. Asseyez-vous s'il vous plaît, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous présenter deux personnes. Oui. Parce que je sens que vous voulez savoir qui est là. Non. Ces deux non. personnes vont arriver tout de suite, vous allez comprendre. Ah, regardez. Ah, c'est des. Voilà. Deux personnes qu'on pourrait appeler comment? Ah.
Est-ce que vous avez compris la situation? Alors, ces deux personnes... Rassurez-moi, ils sont là à toutes les émissions. Vous ne les avez pas fait juste venir pour moi. Alors, je vous raconte, ils sont venus pour deux personnes, pour Laurent Baffie et pour vous. Dis donc. On sent bien... On sent bien que vous avez... Non, je vais passer de ce côté-là. Je sens que lui, c'est possible. Il m'a fait un sourire, alors que de l'autre côté, rien. Là, il m'a fait un sourire. Il m'a dit, vas-y, passe. Il m'a dit, passe. Vous avez vu un peu d'humanité en eux? Oui, bah, c'est... de toute façon, ils font semblant, ils font pas de sport de combat. Hein. Bon, non, mais vous avez compris. Sûr. Parce que normalement, si vous vous levez, vous savez... Déjà, ils ont des souliers de danseuse. Partir, là, voilà, vous avez compris, parce que j'ai senti le coup là. Il était là, il voulait pas s'asseoir. Il y a toujours le rideau qui se lève. Il se lève dès que vous vous levez. Ah, il est pas... Ça marche pas. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir. Les téléspectateurs et le public vont découvrir nos complices. D'accord. Donc le rideau va baisser. Voilà. Donc de là où vous êtes, normalement, si vous vous retournez. Mais je pense que c'était pas les miens. Bon. C'était ceux d'Ève, c'est sûr. Si vous retournez, vous confirmez que vous ne voyez rien. Retournez-vous juste. Ah, on voit rien. Retournez-vous. Hein, vous voyez rien. Okay. Si, il y a un truc noir là. Voilà, c'est une caméra. Ah, c'est bon alors. C'est okay, normal. Ce sera le premier évangélisme de la soirée. Derrière, mais ça va, on voit pas. Bon, je vais demander au public de mettre un casque, s'il vous plaît. Puisqu'effectivement, le public et les téléspectateurs vont entendre les questions qu'on me souffle dans l'oreille. On se croirait au cinéma devant la projection d'Avatar, quoi. Avec tout le monde qui avait le. Et on est en 3D pour eux, ouais. En plus, c'est bien. C'est pour quand la télé en 3D? C'est pour bientôt, mais on va en parler à la fin de l'émission. Alors tout de suite un essai d'oreillette, si vous voulez bien. Oui, oui, juste bonjour à tous déjà. J'ai pas eu l'occasion de saluer le public. Je voulais juste vous dire que vous avez eu l'occasion d'écouter des évangélismes dès le début de la soirée. Il y a aussi des yunismes comme Bitch, Chat, Couille, Nichon, qui sont les yunismes aussi. Pourquoi tu me regardes après? Non, justement, je fais exprès de regarder les deux. Deuxième peut-être complice, pour voir si ça marche bien. Faut appuyer? Oui, faut appuyer. Super marrant. Non, moi je suis là pour tout révéler sur la vie sexuelle de Mickaël. Ça va être très chaud. Alors regardez ce qu'il vient de faire. Ça, ça doit être pour toi. Quelqu'un voilà. Qui fait ouh. T'es venu avec des copines? Non. J'ai pas de copines. Bah, elles me fuient toutes. Je sais pas pourquoi. Depuis que je passe à la télé, j'ai plus de copines. Bon, on va en parler tout à l'heure. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des invités parano qui, dès qu'ils entendent ouh, ils pensent que c'est pour eux. Vous, c'est bien. Vous êtes bien dans vos baskets. Ah non, moi, c'est quand j'entends des rires, je me dis on est en train de se foutre de ma gueule ou on est en train de. D'accord. Mmh, on verra bien. S'il vous plaît, complice suivant. Un petit essai d'oreille. Oh non, on m'a mis de l'eau. Alors surtout. Surtout, aucune blague sur les blondes ce soir. Aucune blague sur les blondes, parce que Eve ne les comprend pas. Oh, bah, jamais. Je ne sais pas si c'est moi qui suis drôle ou si c'est les gens. Ah, ça déteste, il faut rester à détester. Alors, complice suivant, s'il vous plaît. J'ai l'impression que Eve, elle est très contente d'être ici avec Adam. So, moi, je pense, Mickaël, on a tellement vu à poil à la télé. Eve, elle est bien entourée. On a l'impression que c'est quelqu'un qui fait un truc dégueulasse, parce que quand tu regardes, t'es comme ça. Ou alors elle fait un truc super sexe, quoi. Oh ouais, on va dire. Vous les voyez, là? Moi, je les vois bien, ouais. Mais pourquoi nous, on les voit pas alors qu'on est juste à côté? Alors, c'est un peu le principe de l'émission. On applaudit, Evangélie. Ah, on va aller là, alors. Non, non. Fais ça. Parce que comme vous le voyez, regardez, il y a un détecteur. Il y a un détecteur. Vous pouvez vous retourner. Il y a un détecteur de présence. Oh, mais c'est pas vrai. Dès qu'on se retourne, ça se... Tu vas voir, essaye. Dès que vous retournez. Mais vous les voyez pas non plus, en fait. Mais non, mais quand vous êtes assise, le cache est baissé. Ah, non, j'ai rien compris. Le truc, quand c'est que... Le cache est baissé. Voilà. Moi, j'ai déjà fait l'émission de l'autre côté. Donc, par exemple, non, si... Non. Ça y est, j'ai compris. Il y a un machin qui baisse et qui... Ah. Bon. Ah. Okay. C'est parce que t'as pas employé les bons termes, fallait lui dire un machin. Sinon, elle comprend pas. Allez, on continue. Encore un essai d'oreillette, s'il vous plaît. Donc, moi, je dirais que c'est le monde à l'envers ce soir, puisque pour une fois que Eve... Ah, ça, c'est pour toi, il est chiant, celui-là. ...n'est pas dans sa bulle. Ouais, c'est sûr. Ah, ça rigole pas. C'est mes copines, ça, je crois. Bon, OK, donc ça fonctionne bien, tout est en place. Merci d'être là, vous aussi. Est-ce qu'on peut dire pourquoi vous êtes... de bonne humeur ce soir, l'un et l'autre. Mickaël ? Moi, je suis de bonne humeur parce que je suis là. Et parce que c'est super excitant. Et c'est rare aujourd'hui à la télé d'être excité. Bon, ça fait plaisir. Il est de bonne humeur. Voilà, alors donc, il a dit des choses gentilles. Donc, je vais dire quelque chose de gentil. I'm not fishing for compliment, Frédéric. OK.
Michael, une chaise l'excite. Encore terminé. Ouais, on est de bonne humeur parce qu'on n'a pas encore vraiment commencé l'émission. Exactement. Voilà, exactement. Aujourd'hui est un grand jour. Puisqu'aujourd'hui nous sommes le 16 juin et le film de Michael est sorti sur les écrans. Voilà, et je fais partie des quelques privilégiés qui l'ont vu. Et je voulais dire qu'en fait, je sais que ce film va... Alors, il n'aime pas entendre ça parce qu'ils sont tous superstitieux, il n'y a pas de bois. Je sais que le film va marcher parce qu'on rit beaucoup. Film culte. Touche ma tête, vas-y. Des scènes cultes. Des répliques incroyables et franchement, je pensais pas que j'aurais été le voir spontanément parce que je pensais que c'était pour les jeunes et finalement j'ai beaucoup beaucoup ri donc franchement si vous avez mon âge, allez-y, regardez la bande-annonce. Tout réussi à Fatal Bazooka. 500 000 fans sur Facebook, 100 millions de vues sur YouTube de son dernier clip. Dédicace à tous les quartiers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Tropez, bien t'as vu, aïe. Fatal a trouvé l'élu de son cœur. Son bikini. Oh. Et ils sont où, tes gars? Ils préparent la session de studio de demain. Je t'assure, ils bossent, hein. Boulot, boulot, boulot. Aïe. Non, mais t'es qui, toi? Chris Prowls. J'arrive et je vais être ringardisé vitesse grand V. Tocard. Je fais de l'électrobio. Sans additif, quoi. Et je respecte la nappe phréatique aussi. Je fais uniquement caca dans mon jardin. Oh shit! T'as vu les premiers chiffres de son album à l'eau de biscuit? Tu fais quoi, toi? Tu prends la nouille? Me branle pas la nouille. Je lui donne rendez-vous Music Award dans la musique. Là, on va voir. Aïe! Le gagnant est. Dis-moi maintenant, c'est qui? Le numéro! Tu penses à ta reconversion? T'oublies mon numéro. On est ruiné! C'est pas à cause de toi, c'est à cause de l'argent. Pourquoi tu me rappelles pas? Essayez de le rappeler! Trois mois qu'il répond plus! Oh mon caillou! Je suis revenu pour faire berger. Berger? C'était fait pour la lumière. Tu vas partir à la ville, reconquérir ce qui m'appartient. Alors toi et ton crackers, vous prenez des clous rouillés et de la harissa, vous vous les enfoncez profondément. Et avec, vous allez vous faire bien. Mais dans le genre, bien, 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 non. Profond, bien dans ton. Faites du bruit là, faites du bruit. Donc Fatal, on l'a dit, c'est pas seulement le nouveau film de Michael, c'est le film qu'il a réalisé. J'étais très, très impressionné parce que c'est pas un clip. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vraie histoire avec des enjeux. On se demande ce qui va se passer, on est captivés. Ah, moi, je suis tellement fan, j'ai voulu m'habiller dans les mêmes couleurs que l'affiche, en fait, Michael, exactement. Bleu et blanc. Et je suis flatté, vraiment. Je suis très fan. Voilà. Et donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'on rit beaucoup, il y a des tas de répliques, ça surprend personne. C'est très, très bien réalisé. C'est-à-dire que je me demandais même si c'était vraiment vous, mais c'est vraiment vous. Oh, j'ai pas comment tout ça, c'est ça. Très bien, très bien joué, incroyable le casting. Non, mais Stéphane Rousseau, Isabelle Funaro, Vincent Dezagna, Armel, Fabrice Eboué, Jérôme Le Banner, Jean Benguigui, Catherine Allégret, Rim Kirichi, Harry Habitant. Voilà, c'est bon, j'arrête. Il n'y avait pas moi, donc je ne sais pas. Voilà, super casting. Et en plus, j'adore ce que ça raconte. Voilà, j'adore ce que ça raconte parce que c'est une parodie de notre société. C'est pas seulement sur les rappeurs, on est d'accord. Hein. Non, c'est plus sur le monde du show business, sur le monde des médias. Ça parle de la télévision, ça parle du succès, ça parle du désamour du public, ça parle de qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand vous nous aimez plus. Oh. Ça parle aussi de ce qui se passe dans nos cœurs quand vous nous aimez très fort. Parler de ce qui se passe pas dans nos têtes aussi, ou parce que je suis pas sûre d'y aller autrement. C'est pas un film sur Evangelis. Non, mais j'y vais pas. Bon, voilà, en tout cas, honnêtement, c'est très, très, très réussi. Vous allez beaucoup rire. Et je le redis pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant seulement, c'est pas seulement pour les ados, c'est vraiment pour tout le monde. Allez le voir, c'est Fatal depuis aujourd'hui sur les écrans. Allez-y. Il faut savoir que Michael a même fait l'accessoirisme sur ce film.
Moi, je vais y aller. Oh, c'est bon. Bah non, ça c'est fait. Ça c'est bon. Après, le reste après. Pour ceux qui t'ont mis les gardes du corps, je les veux comprendre. C'est pour pas que tu ailles voir le public. Mais oui. Non. Ils te connaissent. Mais c'est pas possible, tu l'as. Celle-là, tu l'as fait exprès. Je pensais qu'ils avaient mis pour pas que t'ailles. Mettons que j'ai très envie d'aller aux toilettes. Et je dis, oh, je sais pas où, quelles sont les toilettes. Ah, ah. Illustré, c'est mieux, je comprends mieux. Ah, mais j'ai vraiment très très envie. Peut-être. Et ça marche pas non plus. Non, alors, on peut pas y aller. C'est trop fort. Ce qu'il faut dire, c'est que Eve nous fait rire depuis le début. Vous passez votre temps à vous demander si elle le fait exprès ou pas. Eh bien, ça tombe bien parce que vous allez la voir à Avignon. Michael cherche un moyen pour voir monter quand même. Hein. Merci, on a bien compris là-haut. Donc, Eve est très courageuse. Pourquoi ? Parce qu'elle a effectivement ce personnage comme ça de cruche et cervelle, etc. Au lieu de se vexer, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a transformé en atout et elle monte sur scène pour faire un spectacle, un one-woman show, drôle malgré moi. D'accord ? Donc, moi, j'ai vu en vidéo le spectacle. Et, ça va, et donc voilà, c'est assez incroyable, le public rit parce que c'est pas à la portée de tout le monde de monter sur scène. Il y en a plein qui en rêvent et d'autres qui n'osent pas. Vous avez osé, vous l'avez fait, et c'est à Avignon cet été. Eh oui, tout le festival d'Avignon, le festival Off, ouais. Bien évidemment, c'est là où il y a toutes les pièces. Vous de pas théâtre des pattes. Oh non, je crois pas quand même, c'est un peu plus intello. Moi, c'est vraiment le public populaire, ceux qui veulent rire, qui vont voir des pièces de théâtre, genre Arrête de pleurer Pénélope. Yeah. Ah bah tu vois, tiens, j'adore aussi, tu vois. Donc on va sur scène. On va croire que le drague, fort. Vous avez écrit, le spectacle. Oui, exactement. Ça peut paraître bizarre, mais je l'ai co-écrit. Il y a des évangélismes, il y a des parodies chantées. C'est surtout pour ça que je suis faite, parce que je chante. De chanteuses qui vont devenir vos ennemis maintenant. Ah, pas mal. Il y a Olivia Ruiz. Mais c'est souvent qui aime bien châtie bien. Mais parce oui. que j'adore Olivia Ruiz et je la parodie. On parodie des gens qu'on c'est aime. C'est pas parce qu'on parodie qu'on n'aime pas, au contraire. Au contraire, au contraire, ça je pense qu'il faut, pour bien faire une parodie, il faut beaucoup aimer ce qu'on parodie. Bah, moi, je parodie que des chansons que j'aime. Je parodie Calogero parce que j'adore Si seulement je pouvais lui manquer. Donc je me fais plaisir en même temps. Donc, C'est pas une parodie, ça, hein. Ah non, là, c'est pas bien, là. Là, ça donne trop envie. Là, ça donne trop envie. Et vous serez à Paris à la rentrée. Voilà, là, je me rôde pour l'instant, donc c'est pour ça qu'on a filmé vraiment... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Mais non, c'est je me rôde. Ah, je suis en rodage avec mon spectacle, mais je me rôde, t'es pas, t'es moi pas aussi, une voiture. Je suis en rodage, moi aussi, ça se voit, je démarre doucement, puis après... Merde, t'as pas fini le rodage. Pas encore, hein. Peut-être à 50 ans, ça devrait aller, mais là, j'ai même mais pas c'est 30 50 000 km. Evangélie. Comme vous le disiez, Frédéric, il faut beaucoup, beaucoup de courage pour monter sur scène. Moi-même, je suis monté sur scène et je suis pas prêt d'y remonter. Pourquoi vous dites ça ? Oh, parce que c'est trop dur. Oh. C'est très... Non, mais la scène, c'est très dur, c'est très exigeant. Et puis sa parodie d'Evangélie, elle est nulle. Ah, et le fait... On me dit sa parodie d'Evangélie est nulle. Bon, ne vous laissez pas déstabiliser là-haut. Quelqu'un a dit c'est une parodie d'Evangélie là-haut ? Non, non, quelqu'un a dit... Ah, il va falloir qu'on explique tout deux fois, ce soir, je me rends compte. L'émission va durer 4 heures. Il y a un traducteur, en fait. Vous êtes prêts ? Yeah ! Allez, on va me donner des infos sur vous. C'est parti. Je vais prendre la réponse A, Jean-Pierre. Eve est très très étourdie. Vrai, j'avais bu ce soir-là. C'était pas vraiment un homme, c'était un travesti d'abord. Est-ce que ça compte vraiment ? Elle est partie, elle a laissé le gaz allumé avec la... Ça s'était éteint et on est rentré 4 heures plus tard. Ça sentait le gaz dans la maison. Si j'avais craqué une allumette, la maison sautait. Pareil. Ouais. Ok, alors, on me donne des infos. Je sais pas si vous allez prendre ça pour un scoop. Et depuis, on a acheté une plaque à induction. Il n'y a plus de gaz à la maison depuis 5 ans. Autrement, on va y passer tous les deux. Ok, c'était une information sur Eve. On nous dit qu'elle est étourdie. C'est un scoop ? Pas pour moi, hein. Étourdie, ça veut dire quoi ? Parce qu'on pourrait se dire, elle joue, on n'arrive pas à savoir effectivement si vous jouez, si c'est vrai, etc. Donc dans la vraie vie, voilà ce qui se passe. Donc Evangélie, vous pouvez mettre le feu à la maison. Non, qui a dit ça ? Vous laissez le gaz allumé, ça vous arrive ? Ça oui, ça m'est arrivé. Ah oui, si, ça oui, s'appelle mettre le feu à la maison quand tu laisses le feu. Enfin, c'est pas mettre le feu, mais elle risque d'exploser la maison. C'est vrai, on l'apprend, elle a même 5 ans, vous avez oublié. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est vrai. Mais c'est le genre de souvenir qu'on préfère oublier parce que j'aurais pu ne plus être là aujourd'hui. En plus, j'ai peur de la mort comme tout le monde, hein, je crois. Et mon chéri, ben, il m'en veut parce que je vivais avec mon chéri. Ouais. Il m'a pas quitté depuis, je sais pas comment ça se fait. D'accord. Et la bouteille de gaz, heureusement pour nous, je dois être bénie, j'ai dit, oh, des dieux, était finie. C'est-à-dire, il devait rester ça, quoi. Ouais. Et moi, j'avais laissé le gaz ouvert. Donc en fait, en faisant à manger, donc du coup on a des plaques à induction maintenant. Il y a plus de gaz à la maison et ça se commençait à sentir. En fait, il a senti l'odeur. On a vite aéré. C'est moi qui vais faire mon Eve. Le gaz, c'est en bouteille, ça vient pas directement par Gaz de France. Ça dépend. Il y a des gens qui ont la bouteille, il y a des gens qui sont reliés au gaz. Ah bon ? Je savais pas.
Et Eve dit souvent, si j'avais un enfant, je l'oublierais dans le caddie en faisant les courses. On nous donne des exemples. Alors vous allez me dire, c'est vrai. Si vous aviez des enfants, vous avez peur de les oublier. Ah ça oui, par contre, moi je ferais mes courses en fait. C'est le cliché, mais j'ai vraiment peur. Et je prendrais des trucs, des machins, des trucs. Et puis au moment de ramener le chariot, j'aurais peur d'oublier mon enfant dans le caddie, quoi. En prenant tous les sacs. C'est affreux de dire ça, mais c'est aussi peut-être pourquoi pour l'instant je me sens pas prête à avoir d'enfants. C'est que j'aurais vraiment peur, par négligence à cause de mon côté tête en l'air, de bah, justement de le négliger. D'accord. Les enfants, tu sais par où ça se fait. Non mais bon que tu... C'est pas par le nombril, par exemple. Non, ah, c'est par césarienne, ça pourrait être par le nombril. Non mais l'homme, il peut pas, lui. Hein, il peut pas rentrer par le nombril. Non, ça rentre... D'accord. J'ai déjà essayé, ça rentre pas. Ça fait très mal à madame. Demandez à Eve pourquoi elle voyage les pieds sur le pare-brise dans la voiture, toujours. On me dit, demandez à Eve pourquoi vous voyagez toujours en voiture les pieds sur le pare-brise. Ah oui, alors ben, moi, j'ai vu que beaucoup de femmes le font sur autoroute, donc ça me rassure, je suis pas la seule hein, à mettre les pieds en l'air comme ça. C'est souvent et les femmes. Bah, notamment, c'est vrai que c'est déjà, je suis confortable, mais surtout, c'est pour la circulation. Et non, c'est pour les pieds. C'est pour lutter contre la peau d'orange. Parce que quand on a les jambes en l'air, le sang circule mieux. Et comme je suis hypochondriaque, j'ai pas envie de faire des caillots ou des choses comme ça. Donc je mets les jambes en l'air. Moi, je me dis, ça circule bien. Voilà, c'est pas ce qu'on m'a dit. Vous voyez, c'est l'intérêt de l'émission. C'est quoi qu'on vous dit ? On m'a dit que c'est parce que c'est tellement le bordel, il y a tellement de trucs qu'elle peut pas poser les pieds dans la voiture. Ah, mais ça, ça m'arrange aussi. Du coup, moi, je mets tout par terre. C'est parce que j'ai mis les pieds en l'air que je range tout par terre. J'ai pas besoin de mettre les pieds en bas. Mais y a rien à ranger dans une voiture. Attends, mon sac, mes magazines, ma bouteille d'eau. Mes CD, tout est par terre. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait les restes du fast-food et tout ça. Non, c'est pas ça. Presque. Ah, aussi, quand même, tu voyages pas derrière parce que moi, je me mets toujours derrière. Ah, j'ai un chéri. Devant, c'est pour les pauvres. Et je lui dis, mon chéri, c'est lui le chauffeur. Eve est aussi très impatiente. Alors, faut lui demander pourquoi on a déménagé, qu'on habite à la campagne et qu'on a quitté la ville. Il paraît que c'est parce que vous êtes impatiente que vous habitez à la campagne. On voit pas le rapport tout de suite. Pas que pour ça, mais non, c'est vrai que moi j'ai horreur du monde accumulé, genre faire la queue, attendre 10 ans pour se garer sur une place de parking qu'il n'y a pas. Et c'est vrai que Paris, je pourrais pas habiter. Tu attends 10 ans, tu te gares jamais. Moi, j'arrive chez moi, à la campagne. Je suis dans un village de 2000 habitants. Ouais. Je suis la seule, en fait. C'est génial. D'accord. Je fais pas la queue. 2000 habitants, vous êtes la seule. Parce que j'ai vu compter sur ses mains. Quand je décide de sortir, je suis la seule à décider de sortir. Il y a personne. D'accord. Mais c'est 2000 ne sortent pas en même temps. Il n'y a que vous qui sortez ces jours-là. Mes chiens, j'y vais tranquille, sans maquillage. Mais je suis timide aussi. Donc si j'habite en ville, il faudrait toujours que je me maquille au cas où je croise quelqu'un. On croise tout le temps des gens en ville. D'accord. Elle peut jamais rester à table, elle se lève au bout d'une heure, elle est trop impatiente. Et des fois, elle commande, si ça arrive pas assez vite, elle quitte le resto. Ça m'est arrivé moins 4-5 fois. Non, mais on me dit, parce que vous êtes impatiente, vous aimez pas faire la queue à la poste, faire la queue dans les... Ah ouais, vous non, moi prenez... j'aime vivre... Il paraît que vous allez au restaurant, vous commandez, mais si ça tarde trop, vous partez. Ah, ça m'est arrivé. D'accord. Ah, faut dire, quand c'était en Belgique, on a attendu 1h30 avant qu'ils viennent nous demander ce qu'on voulait. Je sais même si vous attendez l'approbation du public. On a quand même attendu 1h30. Vous aimez pas attendre. C'était 50 minutes. J'aime vivre et quand j'attends, j'ai l'impression que je vis pas, je suis là. D'accord. En attente. Ah, faut que ça bouge, c'est vrai. D'accord. T'as prévu de faire des impros dans ton spectacle? Est-ce que tu fais des impros? Ça paraît être des impros, mais tout est écrit parce mais que... Non, mais cela dit, tu devrais... Tu devrais, en marge de deux sketchs, te prévoir un petit moment avec le public pour leur poser des questions et rebondir dessus parce que c'est un naturel incroyable. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ah, c'est gentil. Mais c'est pas faux, ce type, parce que je te promets, il y a des trucs qui n'étaient pas écrits. Prenez le compliment. Ah, c'est pas, elle s'en fout. Elle dit, ok, d'accord, parce que j'ai pensé un truc, parce qu'une fois, j'étais en voiture et on m'a dit que j'étais naturel. Et... Non, mais tu vois, non, mais t'as vu comment tu rebondis, tu te penses-y. Mais moi, je dis ça, je dis rien. J'avais dit quelque chose au hasard qui n'était pas prévu, parce que je m'étais trompée. Et donc, j'ai eu le trac et j'ai dit un truc à la con pour meubler. Et ben, on l'a gardé, parce que c'est ce qui fait le plus rire du spectacle. Donc, vous confirmez. Donc, c'est vrai. Tu as raison. Ouais, alors, est-ce que je peux avoir des infos sur Mickaël? Parce qu'évidemment, pour l'instant... Je voulais juste m'asseoir différemment. Non. Ah, mais ça marche bien, regarde, c'est levé. Non, mais ça me fait peur, ce genre de truc, je vous en supplie. Ah, mais il y a un capteur sur les fesses. Je voulais pas ça. Donc on me dit, on va vous attendre. Il commence à se déconcentrer un petit peu, hein, les gardes du corps. Attention les gars, moi je suis très rapide. Attention. I'm fast. Damn. Alors, tu l'as? Je suis pas là. Tu l'as? Je suis pas là. Tu l'as? Je suis pas là.
Donc, Mickaël, vous dites, bon, ouais, évidemment, ça va balancer, etc. Parce que quand vous êtes passé là où vous avez balancé, eh bien non, on a envie de démarrer par quelque chose de gentil. On a envie de faire plaisir. On a envie de vous faire un cadeau. On va parler de ma circoncision. On va d'abord parler de vos goûts alimentaires, de ce que vous aimez manger. On a envie de vous l'offrir. Vous êtes découvrir. Est-ce que vous pouvez soulever tout de suite? C'est vrai, c'est ce que vous aimez manger. Oh non, c'est mes cheveux. Oui, c'est un rapport avec sa maladie. Il a une maladie qui s'appelle la trichotillomanie. L'étoile de ma gloire. Tu manges tes cheveux? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Mickaël? C'est une salade avec du jambon et des poils. Et des cheveux. Enfin, moi, j'ai des poils assez longs, donc j'ai du mal à faire la différence. Demandez-lui ce qu'il fait en période de stress. Ouais. Est-ce que ça vous dit rien? Une salade avec des cheveux. On donne des infos sur vous. Il mange ses poils. Oh. Oui, c'est ça la tricotillomanie. Il s'arrache les poils de la barbe. Sur le montage de Fatal, il avait deux trous autour de la barbe. On me dit, il mange ses poils. Ah, ses poils. Ah non. Non, je suis tricotillomaniaque. Ah oui, non, mais attendez. Dites-le parce que c'est un mot que Eve va aimer retenir. Ah non, non. Tricotillomaniaque. Je suis tricotillomaniaque. Cotillomaniaque. Non, tricotillomaniaque. Tricot. Tu tricotes avec tes poils. Non. Avec l'angoisse par rapport aux différents projets que je peux faire, tu sais, quand t'es en banc de montage, etc., j'ai développé un trouble obsessionnel compulsif, la trichotillomanie. C'est ça, tu te fais. Non, je m'arrache les poils. Mais jusqu'à en faire des gros trous. Un petit peu partout, je m'arrache les poils, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en train de regarder un écran sur un banc de montage, et je discute avec le gars, et sans m'en rendre compte, je m'arrache tous les poils. Alors, c'est toujours, en général, en me posant le coude, et c'est toujours au même endroit. Donc, c'est pour ça que j'avais deux trous énormes comme ça sur les côtés. Mais t'arrives à les épiler. Et alors, les vrais trichotillomaniaques, parce que moi, je suis moitié trichotillomaniaque, ils mangent le bulbe. Moi, il les sent. Il le mange. Non, je les mets comme ça. Vous sentez les cheveux d'abord? Ah non, moi je... non, ça c'est les vrais. Moi je suis pas un vrai. Les vrais, ils arrachent. Ils mangent un petit peu, ils s'en arrachent un dans le nez. Ouais. Ils mangent. Ça marche avec les cheveux, ça marche. Ouais, ah, si, c'est aussi avec les cheveux. Il y a des gens qui sont chauves en étant trichotillomaniaque. Pas tous, mais des fois, quand je me déconcentre. C'est ton mec qui le fait, ça. Non, mais c'est quand tu penses à rien en fait que tu fais ça. Si t'es concentré, tu fais pas ça. Tu devrais être chauve. C'est surtout un gros excessif, Mickaël. Quoi qu'il arrive, il fait tout de manière très excessive. Bon, alors donc. Elle était nulle, cette vanne. Je sais pas qui l'a fait, mais elle a super bien marché. Ça va lancer la suite. Ah, génial, bravo. Vous confirmez. Les vannes pourries. Vous confirmez ça, donc. Oui, je suis très angoisse comme ça. Mais quand il est pieds nus aussi, il se recroqueville les doigts de pied. Il n'arrive pas à avoir les doigts de pied normaux comme ça par terre. Est-ce qu'on peut vérifier quelque chose? C'est-à-dire qu'on me dit, si on pouvait maintenant, si on avait une caméra spéciale, qu'on pouvait filmer à l'intérieur de ses chaussures, il a les pieds recroquevillés. Ah, c'est vrai. Est-ce qu'on peut vérifier? Ça, c'est des gens qui me connaissent super bien. Est-ce qu'on peut vérifier? Ça, c'est quand il est très stressé. Hein. C'est pas sûr qu'il soit stressé, là. On appelle ça il scrooge. Le bout est rempli, mais... Le mot, c'est il scrooge. On me demande le nom de la maladie. Vous connaissez le nom de cette maladie? Je sais pas, la rentrose des pieds aigus, je sais pas. On dit il scrooge. Là, on va vérifier, c'est important. Non, mais c'est vrai. Voilà, bon, là, forcément, normalement... On s'en rend pas compte. Normalement, vous n'osez pas enlever votre chaussette. Mais c'est trop mignon. Il a montré ses fesses à toute la France, mais il veut pas montrer ses pieds. Alors regardez, au moins un. J'ai des pieds horribles, Frédéric. C'est parce qu'il a 38 doigts de pied. Non, mais il a des beaux pieds. Ça va. Moi, au moins, j'ai pas de vanne, mais finis là chez toi. C'est ce qu'on appelle de la vanne Ikea, elle est en kit, tu la termines à la maison. La phobie des pieds. Donc c'est vrai. Regardez, c'est terminé, angoissé. Vous comprenez? Elle ne regarde pas votre pied. J'ai horreur des pieds, ça tombe. Ah, mais voilà. Bon, tu vois, regarde, elle a horreur des pieds. Et moi, c'est vrai, quand je suis dans des situations un petit peu de tension, parce que là, je suis tendu. Je suis tendu, Fred. À cause d'eux, là. Et donc, du coup, c'est... Ouais, non, mais c'est... par exemple, quand j'ai les pieds à même le sol, j'ai toujours... Regardez, là, je le fais pas exprès, par exemple, parce que je calcule pas. J'ai toujours les pieds recroquevillés. Donc, quand je me change à la piscine, en vacances, j'ai toujours... Alors, j'ai un peu l'air d'un myopathe, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ah oui, il a une chose, si Mickaël, c'est qu'il est capable de s'endormir partout, ça, il faut lui dire. Il s'endort dans des endroits complètement impromptus. Genre, il s'est endormi sur un... sur un baby-foot ou sur une table qui est tombée dans son sommeil qui ne l'a même pas réveillé. Pendant la partie de baby-foot, c'est ça qui est... C'est assez inquiétant. Toi, tu m'énerves, tu vas aller manger. Il est capable de dormir n'importe où. Ok, bon, on me dit ce garçon est capable de s'endormir n'importe où dans des endroits qu'on n'imaginerait pas.
Ouais, je me suis endormi une fois sur une. Je me suis endormi une fois sur une table de babyfoot. Pendant la partie, on m'a dit. Non, après. Non, c'était. Je veux pas vous mentir, hein, Frédéric. C'était un petit peu après la fin de la partie. Mais une table de babyfoot, ça dépasse les joueurs. Ben, je n'ai rien à foutre. Ça fait mal quand même. Ça dépend où tu les mets. Ah ben, t'as beaucoup d'orifice alors. Non, je m'endors, et au grand dam d'ailleurs de ma chérie, je m'endors parce n'importe qu'il s'est endormi où. Dessus. Je peux m'endormir à table. Sur madame. J'ai eu une période de ma vie d'ailleurs où. Ah bah tu vois, je développe des trucs moi. Hein, et où j'étais. Attention, il va s'arracher les poils. Ah. Non, ça vanne, allez-y. Non, mais ça vanne. Où j'étais narcoleptique. À l'époque où je faisais le morning live. Ça veut dire, Eve. Ça veut dire que tu fais. Les médicaments beaucoup. C'est oui, il faut en prendre deux par jour. Non, ça c'est drogué. Ah. Et le film Narco, voilà. C'est pas sur vous ne prenez pas des médicaments. Non, c'est qu'il est narcoleptique. C'est-à-dire que je m'endormais n'importe quand. Il s'endormait sous la douche à l'époque du morning live. En général, je m'endormais assez tard. Sous la douche, on m'a dit. Ouais, sous la douche le matin. Et je me souviens à l'époque, je pouvais m'endormir à table. Donc je suis en train de dîner avec toi. Et puis tu me poses une question et au milieu de... Non. Et je sais que ma chérie à l'époque ça la rendait très très malheureuse quoi. Elle me parlait, elle avait l'impression c'était que je Juliette. M'intéressais pas. C'était Juliette, oui. Et mais ça va maintenant, je vais mieux. Ah. D'accord. Bon, ok, moi pour vous remercier de votre franchise, j'avais envie de faire un petit cadeau. Il va falloir que vous m'aidiez à vous faire un cadeau. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? C'est-à-dire qu'il faut que je te passe de l'argent. Vous allez participer à quelque chose sans trop savoir ce que vous êtes en train de faire. Mais comme vous nous faites confiance, à la fin de l'émission, je vais vous faire un cadeau. Il y a un truc qui est complètement faux dans votre phrase, c'est « Je sais que vous nous faites confiance ». C'est la méthode. Depuis c'est quand la méthode. Tu fais confiance à la télévision française? Allez, c'est parti pour la surprise. Mais Frédéric, mais ça me fait trop plaisir. Depuis le temps que j'en rêvais, une chaise avec un fond vert. Je vais présenter le journal télévisé. Pas du tout. Donc, on va vous demander comme ça de dire des répliques en mettant un peu le ton. On va vous expliquer un peu l'intention, etc., le sous-texte. Et ensuite, évidemment, il y a un fond vert. Donc, on est comme dans Matrix. On va incruster votre image dans autre chose. Comme dans Matrix, ouais. T'as vu un peu la comparaison. On est comme au journal sur M6, ouais. On a les comparaisons qu'on peut rêver comme ça. Donc on est un peu comme dans Matrix. Et à la fin du, je vous explique en même temps. Et à la fin de l'émission, on va voir ce qu'il a fait parce qu'il va, c'est impossible. Ce qu'on a fait faire. On va pas le voir faire, nous. J'avais mes clés, excuse-moi. Je crois que je les ai laissées. Non, mais c'est parce que j'ai. Non, mais j'ai. Te laisse pas faire, te laisse pas faire. Je prends comme ça. Allez, venez, Mickaël. Mickaël Youn. Bonsoir. L'actualité ce soir, c'est évidemment le drame à Garges-lès-Gonesse. Il était seul, il se promenait le long de la rue. Il s'est retrouvé amputé des deux jambes. Tout de suite, un reportage de Charles-Henri Croux et de Bernard-Marie Mézières. Mickaël Youn. Un hommage à tous nos amis journalistes. Donc, vous allez avoir le sentiment, et ce sera justifié... D'être ridicule, j'ai l'habitude. Que ces répliques ne veulent rien dire, pour l'instant. Donc, sur le ton de quelqu'un qui veut convaincre, vous devez dire... Je lâche une pomme sans pourrir mes lacets, et je lâche un bidon de connard lâche. Voilà, ça, avec une seconde entre les deux. Je lâche une pomme sans pourrir mes lacets. Je lâche une pomme sans pourrir mes lacets. Une seconde. Une seconde entre deux, c'est très important. Arrêtez de tous me parler en même temps. Même s'il n'y a que toi qui me parle. Je lèche une pomme sans pourrir mes lacets. Je lèche un bidon de connard lâche. On l'applaudit très fort. C'est très fort. Donc voilà, vitesse normale, 2 secondes entre les deux phrases. Attention. Ça bouffera une maman visant 3 ou 4 bidons de gros lard. Ah, mais de quelqu'un qui veut convaincre, c'est-à-dire vous voulez que je le joue? Ouais. Entre, bon sang! 2 secondes entre les deux, attention. Entre, bon sang! Ça visera une maman... Non, mais cette phrase, elle n'existe pas. Ça bouffera une maman visant 3 ou 4 bidons de gros lard, là. De gros lard. Mais non, mais... Mais vous faites jamais ça dans cette émission! On l'a fait, ça marche bien. Allez-y. Entre, bon sang! Ça bouffera une maman visant 3 ou 4 bidons de gros lard. Merde! Là, on va faire.
Entre, bon sang! Ça bouffera une maman visant 3 ou 4 bidons de gros lard. Parfait! Ça va être très payant, hein, ça va être très payant. Alors un temps cynique, attention. Alors Régis, vous pouvez me mettre du champagne dans mon verre parce que moi je vais pas tenir toute la mission, on m'avait pas dit qu'il fallait que je bosse. Hein. Attention, avec un ton cynique. Avec un ton cynique. 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 Eve, qu'est-ce que ça veut dire cynique? Je crois, j'ai fait des études littéraires, Mister. Je peux vous répondre. Cynique, il me semble que ça veut dire, tu sais, le mec qui... Non, dans ça, la c'est vie... le rappeur, ça. Non, mais dans la vie, il est cynique. C'est qu'il voit la vie noire, toujours, ouais, tout va mal. Ah, cynique. Ouais, tu sais, ah. Il a le mauvais état d'esprit. OK. Les trois Kaira seront ce soir, on se lit pour rien. Super. Magnifique. Alors là, vous répondez à une question. Attention, c'est plus court, c'est plus facile. Attention. Les mains sales, c'est une réponse. On vous pose une question et vous répondez ça. Les mains sales. Tu t'es lavé très les bien. Mains. Très, très bien. Attention. Hop, hop, hop. Et là, vous êtes agréablement surpris. Voilà. Vous avez une seconde. Vous inviterez un lion binoclard et une vache à une simple danse? Je mets un slip pour la déconne. Parfait. Ouais. On applaudit Michael Youn. Merci. Eve, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont rien compris la situation, est-ce que vous pouvez résumer ce qu'on vient de faire? Le problème, j'ai rien compris non plus, en fait, pourquoi il a fait ça. Il est... Non, mais faut que j'aille à ma loge, je me sens vraiment pas bien, monsieur. Il n'est pas percuté, hein. Non, non, attention. Non, mais qu'est-ce qu'il était prêt à me jeter dans le vide. Il fait son travail. Vous l'avez compris, Eve, je le dis pour ceux qui nous rejoignent, il a accepté de nous faire confiance, de dire des répliques qui ne veulent rien dire, mais à la fin de l'émission, ça voudra dire quelque chose, et c'est quelque chose qui va lui faire plaisir, et je suis sûr de mon coup. Il est rassuré. Alors, on va maintenant raconter un peu vos parcours, vos biographies à l'un et à l'autre. Donc, vous êtes né à Sète, en 1980, d'accord, votre vrai nom, c'est Vanessa Anne-Lise Eve Garcin. Oui, voilà. Donc, on vous voit petit toon, comme elle était Mimi. Il est le même, mais... Voilà, vous avez beaucoup déménagé dans le Languedoc-Roussillon, entre Alès et Nîmes. Votre maman, elle aurait rêvé d'être actrice, elle travaille à la Sécurité sociale. Elle a l'air sage comme ça, mais c'est une vraie capricieuse. Et votre papa était commercial, d'accord? Ouais, il voulait être commercial, donc tout va bien. Bon, et on me dit à l'époque, quel genre de petite gamine, plutôt sage, mais capricieuse? Ah oui, bah, j'étais la petite dernière, c'est un cliché, mais c'est vrai une fois de plus. Hein. Ouais. J'ai été la plus gâtée, donc capricieuse malheureusement. Moi je dirais même qu'elle était un peu sournoise de temps en temps, elle avait tendance à donner le premier coup pour que je prenne à sa place en fait. Public choqué. On avait dit pas le... Non, on dit elle était un peu sournoise quand même. Ah non. Du style, elle pouvait donner un coup et hop, elle part en courant pour que les autres se fassent engueuler. Petite, hein? Ah, pas sournoise. Quand t'es petit, ça c'est juste être canaillou. Canaillou? Ouais! Canaillou! Darry Cole, canaillou! Ouais. À l'âge de 7 ans, c'était un vrai garçon manqué. C'est bizarre comme... Bon, on me dit garçon manqué, ce qu'on a du mal à imaginer quand on vous regarde. Ça c'est vrai, pour une fois. Ça vous confirmez? Oui. Mais à quel point garçon manqué? Parce que j'ai souvent entendu ça sur les. Elle pète sous la couette? Et quel est le prénom qu'elle se donnait quand elle était petite? Ah, ça c'est énorme. Vous savez comment elle se faisait appeler quand elle était petite? Elle voulait qu'on l'appelle Simon. Ah ouais. Super prénom en plus. Hein. Mais pourquoi vous voulez qu'on vous appelle Simon? C'est logique, voyons. Vous voulez qu'on vous appelle? Alors écoute, ouais, en fait je rêvais la nuit que je me réveillerais le lendemain en étant un garçon. Et je rêvais, je m'endormais le soir, je disais je veux être un garçon, je veux être un garçon. Avec des prières et tout? Persuadée. Ah oui, j'étais persuadée que ça allait marcher. Le soir avec Michel. Ah mais ça m'est pas fait, maintenant je suis une vraie fille. Non mais je voulais être un garçon. Peut-être inconsciemment parce que ma maman, après j'ai su, avait dit que. Elle aimait bien les garçons. Et comme elle en a eu qu'un, peut-être inconsciemment, ça m'a travaillé quand j'étais petite. Vous vous rappelez de ça? Ça inquiétait même ses maîtresses d'école. Ah oui, mais c'est qu'on a l'impression que c'est une anecdote, mais il paraît que la maîtresse a convoqué votre mère parce qu'elle s'inquiétait de ça. Elle voyait que vous... Il y a la maîtresse ou quoi, c'est ça? Hein, il paraît qu'elle s'inquiétait de ça, qu'en fait, vous vouliez vraiment être un garçon, c'était une obsession de petite fille. Ah bah oui, bah déjà quand il y avait les jeux entre garçons et filles, moi je donnais des croche-pieds aux filles, j'étais un garçon, quoi, je jouais avec les garçons. D'accord. J'étais presque un dédoublement de la personnalité, je croyais que j'étais un garçon. Elle a fini après par se replier sur elle-même à l'adolescence. Autre info, ça se voit pas tout de suite, mais à l'adolescence, très introvertie. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, je pense, pour m'extravertir. Ouais. Ouais. On l'appelait fil de fer, la pauvre. Allez, au collège, est-ce que ça vous rappelle? Comment on vous appelait au collège? Comment on vous appelait au collège? Ah oui, j'en ai eu plein de surnoms. Il y a eu fil de fer. Fil de fer. C'est pourquoi? Ça? Bah, j'étais très maigre et en plus, après, j'ai eu un appareil dentaire, donc au moins, ça faisait deux. Les deux allaient bien. Il y avait avec deux bonnes raisons de vous appeler comme ça. Deux bonnes raisons, voilà. D'accord. Puis sa période gothique aussi, après la seconde.
période gothique. Bah, wow. Forcément, voilà, quand on veut rien faire, on se met en noir, au moins on nous voit moins. En fait, on me voyait, au contraire. D'accord. On se disait comment elle habillait celle-là. Ouais. Raté. Vous avez des sacrifices? Ah non, juste le sacrifice de maison que je mettais du noir dessus, mais à part ça. Son pantalon en peau de vache. On faisait avec son pantalon en peau de vache. Oui, eh bien avant de participer à une émission agricole, on va dire, j'ai une émission agricole. Voilà. Pour la campagne, les animaux. J'aimais ça, avoir un look. Étonnamment, c'est ça, j'étais timide, mais pourtant j'aimais avoir un look des fois. Faut qu'on vous regarde, quoi. Qui sortait du lot, j'en avais marre d'être habillée en jean comme tout le monde. C'était une élève très intelligente et très brillante. C'était toujours la première d'ailleurs. C'est gentil ça. Comment vous savez que c'est gentil? Mais je vois votre tête, vous faites « Oh, quand même !» Ouais, c'est vrai. Ouais. On dit « Elle est très intelligente et très brillante. » Ah, c'est vrai, on est du mal à y croire. Élève Angélie. Ah. Mais donc, quand on est intelligent, c'est parce qu'on m'a dit en préparant l'émission que vous aviez et vous avez une mémoire incroyable. Ah bah oui, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure à Mickaël, tout est écrit dans mon spectacle. Bon, on a l'impression que non, heureusement. Mmh. Mais j'ai quand même à retenir 1h15 de spectacle. Donc, ouais. C'est le principe des comédiens. Oui, mais des chanteurs aussi, parce que je suis un vrai jukebox. J'ai 3000 chansons là-dedans, n'importe laquelle. On a un défi sur n'importe exactement. Quoi. Exactement. Ah, on a un petit défi qu'on a préparé. On a un petit défi qu'on a préparé. On va créer une petite situation très simple. On va imaginer que Mickaël et moi, on est avec des fausses fiancées dans un restaurant et on va passer une commande. Pas compliqué, une commande, et on va voir si vous retenez la commande et si vous allez être capable en cuisine de nous ramener les bons plats. Ah, vous êtes d'accord? C'est de la mémoire. Ça marche, ça marche. Faut que ça marche. D'accord. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent être nos fiancées qui sont juste derrière la caméra? Attendez, je vous préviens, je veux pas une moche. Hein. Deux jolies personnes du public pour être nos fiancées, s'il vous plaît. Ok? Ok? Pour ça, comment vous appelez? Julie et... Jacinthe. Alors déjà, il faut que tu... Ah, salut, tu vas bien? Faut retenir déjà les prénoms. Hein. Ouais. Jacinthe et Julia. Julie. Et Julie. Ah, ça démarre. Voilà, je vous donne la commande que vous allez faire. Attention, cachez-la, faut pas qu'elle comme c'est nos fiancés, on peut faire comme... Oui, enfin, fais attention quand même. Ah, coquine. Attention, faut pas qu'elle lise, gardez ça. Ah, faut pas qu'elle lise. Hein. Comment tu m'en rappelais alors? Et alors... J'ai la mémoire visuelle, moi. Ah oui, mais au restaurant, si les serveurs, il faut qu'ils retiennent. Et surtout, ils ont plusieurs tables d'habitude. En plus, j'ai mis la robe de serveuse, je suis trop fort. Prends un stylo et un crayon. Et tu... Non, c'est la mémoire. Frédéric, on est d'accord, on est un couple échangiste. Oh. Je dois retenir ça. Donc, on s'amusait tellement au Cap d'Agde. Donc, vous avez compris le principe. Attention qu'elle ne lise pas. Oui. On est au restaurant et on est cool parce que vous avez qu'une table ce jour-là. Mais vous le dites qu'une fois. Tu te souviens de ce couple italien qui voulait faire la brouette? Oh mon Dieu, ils étaient écœurants. Allez. Une perturbe, je vais pas y arriver. La cuisine est en coulisses. Il faudra que vous reveniez avec les vrais plats. Attention, hein. Attention, les plats sont là. Ah bah c'est facile s'ils y sont. Non mais il y en a peut-être d'autres au milieu. Ah, on d'accord. Ok. Alors attention. Allez, je vais faire la saveuse si vous prenez la commande. Attention. Une fois, vous dites. Ah bah comme au restaurant. Vous allez revenir avec. C'est vraiment hors de prix. Non. Alors c'est parti, je vous laisse faire. Vous voulez prendre... Vous allez peut-être prendre les entrées d'abord. Oui. Alors... Je me mets à l'image du client, ça le rassure. Allez, en fait. Vas-y, faites ça. Moi, en entrée, je vais vous prendre un taboulé. Ouais. Un taboulé aussi. Oh, facile. Deux taboulés. Ouais. Des carottes râpées. Carottes râpées. Et des tomates en salade. Ça, je peux y aller chercher ça? Non, mais non. Si je prenais la commande avant, Frédéric. J'ai oublié salade. Ce restaurant est super pourri. Parce qu'en entrée, du taboulé, des carottes râpées et des tomates salades. C'était plus simple. Attention, elle m'a oublié. Deux taboulés, carottes râpées et tomates salades. Voilà, et alors pour le plat. Oh, j'hésite. C'est le mec qui a envie de faire chier et qui va prendre un truc qui est pas dedans. Je me serais bien pris soit un petit pot-au-feu. Vous avez du coq au vin? Non, vous avez pas de coq au vin. Vous avez de la daube provençale. Non. Alors, je vais vous prendre des tagliatelles carbonara. Ah, ok. Des tagliatelles bolognaise. Un jambon puré. Ouais. Et moi, je vais prendre un club sandwich. Club sandwich. Non, attendez. Il y a les desserts et les boissons. Le restaurant, on me sert du jambon puré. Sincèrement, une carotte, salade tomate. Je fais comme avant Angélie, c'est pas grave. J'ai oublié. Dis donc. Ah, carbonara. Je pense que je vais me faire la cervelle. Puré, jambon puré, salade. Et ouais. Jambon puré. Allez, un club sandwich. Club sandwich.
sandwich. Oui. Club sandwich. Club sandwich. Je vous rappelle qu'on est au Cap d'Agde. Dis donc. Club sandwich. T'es bien bâti, toi. J'ai l'impression. Allez, alors, pour le dessert, pour le dessert. Un dessert, j'aurais bien pris une petite serveuse. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu échaudée. Faut pas se laisser perturber, hein. Attention. Alors, allez-y. Je prends un gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat, c'est parfait. Hein? Il y est ? C'est bon. Une tarte aux fraises. Tarte aux fraises. Un yaourt aux fraises. Voilà, et moi un camembert. Camembert. Imaginez, imaginez la serveuse. Comment? Attends, j'ai soif. Purée, ça. Ah, et les boissons, mademoiselle. Non, il y en a pas. Le resto. Mais ça rentre pas. On est très très mal servi. On reviendra plus. L'année prochaine, on ira faire de l'échangisme à Amsterdam. Alors, à quoi se rappeler qui prend quoi? Attention. Hey, regardez ça, je suis rapide en plus. Ah ouais. Qui prend quoi? Alors attention, c'est pour qui? Il faut que je me rappelle qui prend quoi. Bah oui. Au restaurant, en général, ils donnent. Ils le redisent les gens quand même. Alors toi. Dis-toi les clients. Toi, tu voulais un taboulé, mais toi aussi. Donc vous partagez le taboulé. Tu voulais les carottes râpées. Mathias. Et toi, t'avais pas pris d'entrée. Ah si, salade de tomate. Alors attends, salade vous de tomate. Vous pouvez retourner, vous pouvez retourner en cuisine. Non, je crois que c'est pas. Salade de tomate comme par magie. Ah, la serveuse qui est épatée de ce qu'elle ramenait. C'est super. Et on mange avec les doigts. Comment ça se passe? Non, non, j'ai déjà regardé, il y a des cheveux pour toi, il paraît que t'aimes ça. En plus, c'est vrai, il y a des cheveux. Alors, le purée salade, c'était pour qui? Ah, mais toi, tu me perturbes. Oh là là là. Non, mais faut pas me montrer, je suis censée être intelligente ce soir. Merci. T'as un anti-sèche? Alors, purée. C'était bon? Jambon. Ouais. Club sandwich. Yes. Voilà, monsieur. Merci. Faut être sérieuse maintenant. Ouais. Y avait des. Mais ça, c'est des. Bah, on m'avait dit tagliatelle, bolognaise. Mais c'est que des spaghettis. Qu'est-ce que t'as dit? Excuse-moi. T'as dit c'est des tagliatelles. Bolognaise. Là, vous avez découvert un truc. Bien sûr, parce qu'elles viennent de Boulogne. C'est des tagliatelles boulognaises. Mais ils sont pas gentils, ils ont mis que des spaghettis. Alors comment je fais? Il n'y avait pas de tagliatelles. Non, parce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait pris des tagliatelles et qui ne les a pas. J'ai pas compris le jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots. C'est juste que quoi? J'ai vendu du beurre aux Allemands, moi j'ai pas de plat. Bah si, mais ils étaient pas. C'était tagliatelles au carbonara. Allez, hop, mais il y en a pas, il me semble, sinon je vous aurais vu. C'est des marches. Ah, c'est ce machin là? Ah, je croyais des. Ah, ben je ne mangerai pas, hein, mais bon. On dirait du vomi. Ah, ça peut lui plaire. Bon appétit. Tu vas manger maintenant. Écoute, hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il manque la salade de fraises et le yaourt aux fraises. Moi, j'arrête pas d'imaginer qu'on est vraiment au restaurant. Est-ce que c'est bizarre? Elle vient nous voir tout à l'heure, elle fait ça va, tout s'est bien passé, vous avez bien mangé. Alors, on a que deux. Ok, moi, je crois qu'on peut l'applaudir très, très fort. On a ce qu'on voulait. Merci beaucoup. Merci, mon fiancé. On applaudit notre fiancé. C'est super. Bravo au serveur. On t'a vu, Mickaël. Non, mais je me détends un petit peu. Quel coquin. Non, mais c'est. Tu vois, Il est pas un peu canaillou, lui aussi? Non, mais tu sais, toutes ces émissions de télé, t'as les articulations qui se coincent, moi. Donc, moi, c'est pour ça que je... Hé, mets tes orteils. Oh, mais arrête! Il veut me tuer! Faites attention, il a souvent des problèmes avec les videurs en général. C'est son job. Fais attention, je sais où t'habites, mec. Les menaces. Et toi, c'est pareil, je sais où vous habitez. Allez, on continue. Oh, là. Je vais prendre le joker public. Donc, Mickaël, vous êtes né en 1973 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Votre père est donc est consultant en management. Wow. Ça. Et puis, votre maman est chef de personnel. Oh. Vous êtes enfant unique. Oui. Bah, c'est vrai, j'aurais bien voulu des petits frères, des petites sœurs, mais quand ils m'ont vu, mes parents, ils ont fait, on va s'arrêter là. Oh non, t'es trop mignon. Regardez, John Travolta. Trop mignon. Ah oui, le pantalon. Ouais, grise. Oui, alors enfant, il faudrait lui demander qu'est-ce que son cousin allait lui demander d'aller acheter à la poste. Ouais. Les chaussures. Alors, pour qu'on comprenne quel genre d'enfant vous étiez vers 4-5 ans et quel genre de rapport vous aviez avec les autres enfants, votre cousin, il vous demandait d'aller acheter quoi à la poste? Du jambon. Ah, mais c'est vrai. Il m'envoyait acheter du jambon à la poste.
Alors j'arrivais devant la dame, je disais bonjour madame, je voudrais 3 tranches de jambon s'il vous plaît. Et elle me regardait, elle me disait mais mon petit bonhomme, mais ici c'est la poste, et moi je faisais. Et vous savez, les enfants, quand ils pleurent, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Oui, alors il était très timide, mais à 3 ans, il montait déjà sur la scène du Club Med. Hein. Donc il y avait un petit côté, quoi, un petit peu bouc émissaire, un enfant timide, c'est ça qu'on retient. Oui. Petit, on parle de la petite, oui, mais petite enfance. Mais, oui, je suis resté timide assez longtemps d'ailleurs. Avec un paradoxe de tous les timides, c'est que vous avez des moments de culot. Comme Ève. Voilà. C'était plus montez... celle à la tronçonneuse, quoi. Vous montez sur scène à l'âge de 3 ans, au Club Med, on va dire la marque, parce que c'était club de vacances. Ouais. Et vous montez sur scène très tôt. Oui, je... Déguisement. J'adore ton en hein. spectacle. Non, mais déjà, j'adorais me déguiser, me maquiller. J'adorais faire des personnages. Et chanter aussi, marre de cette nana-là de Patrick Bruel, devant Patrick Bruel, qui lui aussi va au Club Med. Arrêtez de parler en haut quand je parle, ça m'énerve. Tais-toi. Et j'ai mis... Non, mais ferme vraiment ta gueule. Non, tu me dis pas ça. Hein. Non, arrête. Et j'ai mis une vingaine d'années à m'en rendre compte, c'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que j'adorais faire des personnages, jouer la comédie, monter sur scène, et que j'ai fait une première carrière dans le monde du business. Et j'ai mis une vingaine d'années à me souvenir même que quand j'étais petit, j'adorais faire des personnages, monter sur scène, faire l'imbécile, chanter des chansons, me mettre du maquillage, me déguiser en femme. Attends, parce que pour que le public comprenne, on va en parler tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il a failli faire un métier normal. Donc il aurait dû... Il aurait fait. Ah, vous allez voir. Mais ouais. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, voilà. L'info, c'est que déjà petit, il aurait pu se douter, il y avait quelques indices qu'il prédestinait à tout ça. Et juste un truc important, c'est qu'on me dit une chose qui vous est arrivée pour de vrai. 9-10 ans, vous chantez Marre de cette nana dans un club de vacances devant Patrick Bruel. Devant le vrai. Ouais. C'est quoi le. Moi, j'adorais Patrick Bruel je sais pas si je devrais le dire. Parce que ça va. Il y a des artistes qui, de temps en temps, pour payer leurs vacances, vont dans des clubs de vacances, font un petit spectacle et puis ont les vacances gratuites. Et il s'avérait que Patrick était là, en frais de la princesse. Et. ça va, c'était le début de sa carrière. Et. Je me souviens, ma mère avait joué au tennis contre lui et moi j'avais chanté Marre de cette nana devant. Elle avait gagné. Il s'en souvient absolument pas. Il faut savoir si. Bah non, forcément, mais elle a gagné. Il a dû non. en voir. Qui a gagné au tennis Il triche beaucoup, Patrick. Même au poker, hein, pas vous mentir. Il triche plus que toi ? Est-ce qu'il triche plus que vous, me demande-t-on ? Impossible. C'est vrai que je triche très très bien. Tout le temps. Moi, c'est pas que je triche que beaucoup, ça. C'est que je triche très très bien. Et on me dit beaucoup aussi. Ouais, parce que je triche très bien. Je triche à tous les sports sans que personne ne s'en rende jamais compte. Je triche à tous les jeux. J'adore tricher. Mais c'est pas vrai, on le voit tricher et on dit rien parce qu'on est gentil. Mais je triche souvent. Oui, alors son père, pour le responsabiliser, lui l'avait engagé à signer un contrat pour aller chercher le pain tous les soirs. Sinon, il n'y avait pas de télé. Il paraît que votre papa vous fait signer un contrat pour vous responsabiliser. Oui. C'est quoi le principe du contrat ? Je sais pas, 7-8 ans, il me disait, si tu veux regarder la télé, parce que c'était déjà ma passion, la télé, si tu veux regarder la télé, il faut que tous les soirs, avant 8 heures, il y ait une baguette de pain sur la table, payée avec ton argent de poche. Voilà. Et je signe. Ouais. Alors déjà, j'ai mis une semaine à signer. Et si vous ne respectez pas le deal, c'est quoi le... Pas de télé, privé de télé, je pouvais pleurer. Ça me rendait malheureux comme les pierres de pas être privé. C'est vrai qu'il allait jusqu'à dérégler les chaînes. Ah mais non, mais il avait une combine incroyable. C'est-à-dire pour... Parce qu'il me disait, t'as pas le droit de toucher à la télé, mais il me faisait confiance. Il me disait, t'es privé de télé, tu la regardes pas. Dès qu'il s'en allait, je l'allumais. Donc qu'est-ce qu'il faisait? C'était l'époque où la couleur, le contraste, la luminosité, le volume étaient réglés sur la télé. Et lui, il mettait ça n'importe comment, il prenait les notes. Moi, forcément, j'allume la télé, je voyais rien, j'entendais rien, donc je réglais les trucs et j'oubliais de les remettre. Aïe. Il me disait, t'as regardé la télé. Ah, je te tiens, salaud. Il a fait ça. En règle générale, Mickaël, il ne sait pas dire non à un cap à cap. C'est un défi, c'est comme si, je sais pas, ça, c'est obligatoire. Depuis l'enfance. Est-ce que vous pouvez lui demander ce que lui a demandé un grand de sa classe ? Depuis l'enfance, il paraît que vous ne résistez pas aux défis. C'est-à-dire, on vous dit, t'es pas cap, et hop, depuis petit déjà. Ah ouais. Il y a un grand. Il y avait un grand de votre classe, qu'est-ce qu'il vous a demandé ? Non, c'était pas un grand de ma classe, c'était un grand dans ma rue. Ouais. Et il me disait, ah, je suis sûr que t'es pas capable de jeter un caillou dans les fenêtres de chez toi. Ah, je suis pas capable. Bah alors, je suis pas capable. Et puis après, j'ai été capable de me prendre une belle petite trempe par les parents. Ouais. C'est une histoire vraie, c'est un truc depuis l'enfance. Je supporte pas l'expression même pas cap, je bug. Ça provoque un truc chez vous. Ah, je...
parce que on me dit si on me met au défi, vas-y, t'es un bonhomme, t'y vas, quoi. C'est vrai. Donc faut pas me dire un truc avec même pas cap. Et toutes les bêtises du coup que t'as fait dans ta carrière, c'est parce qu'on t'a dit t'es pas capable d'aller faire ça en direct. Mais le pire, c'est que même moi, par moment, je me mets à me dire, défis, je suis sûr que t'es pas capable. Voilà, c'est pour ça. Vous lancez des défis à vous-même. Ouais. Je comprends mieux. Mais je me fatigue moi-même. Alors, le truc génial avec Michael, c'est qu'il réussissait la gageure d'être à la fois le premier de sa classe et le comique. Et donc il s'est fait quand même beaucoup virer, alors que c'était un pur élève. Ce qui est important, c'est que petit paradoxe ambulant, le petit adolescent, c'est qu'il est très bon à l'école et en même temps très très déconneur. Très bon Frédéric à l'école, Lopez, c'est vrai. Je vous aime, premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous pouvez lui demander ce qu'il a fait de mémorable en terminale? Qu'est-ce que vous avez fait de mémorable en terminale? J'ai cassé l'école, c'est-à-dire on a pris le mobilier des classes et on a décidé qu'il serait mieux dehors. Ouais. Sauf qu'on était au quatrième étage. Et que c'est vrai qu'on n'avait pas envie de se trimballer avec tout ça dans l'escalier, donc on a préféré le jeter par les fenêtres. Et après, par hasard, vraiment, on s'est retrouvé à avoir à peu près 20 ou 30 kilos d'abats de poisson. On a préféré les jeter sur le censeur et sur les différents professeurs qu'on n'aimait pas. Bon, écoute, ça arrive à tout le monde. Après, on a cassé la porte d'entrée. Et puis, on s'est tous fait renvoyer, quoi. Donc, vous l'avez compris, petite enfance, déguisement. Ensuite, études, il fait un peu le con. Des vraies études. Oh, bah, bonjour, le résumé. Un peu con. Bon. Petite enfance, déguisement. Bon, après, un petit peu con. Bon, là, tu deviens extrême droite. Bon. C'est bien résumé. Oh, non, je suis pas dit extrême droite. J'ai un jour tourné à droite. Ça n'a rien à voir, Frédéric. Ce que ne savait pas, visiblement, c'est qu'il a fait des études de commerce. Des études supérieures de commerce. Études supérieures de commerce, d'accord. Donc, il s'apprête à faire une carrière dans le marketing. Ouais, c'est ça. Prépa HEC, voilà. Bac plus 5. Et comment ça se passe? À quel moment vous vous rendez compte que vous êtes en train de passer à côté de votre vie? Je commence à travailler un petit peu plus ou moins dans une société normale. Et Microsoft, tout le monde connaît, on peut le dire. Il a eu envie de se suicider. Société qui fabrique des et on me dit qu'il avait envie de se suicider. C'est l'époque où il faisait pas mal caca dans les assiettes. J'ai pas eu envie de me... Mais arrête! C'est scato, ça, j'ai l'impression. Oui, je suis sûr. Et c'est vrai qu'un jour, en mettant caca dans les assiettes. Bon. Ah, je suis trop fan, j'ai dit. Non, je faisais pas caca dans les assiettes. Tu faisais caca dans les assiettes. Une fois, j'ai pas fait caca dans les assiettes. Une fois, j'ai fait caca dans une assiette. Mais non, mais on était en école supérieure de commerce. Il y a ce qu'on appelle le bizutage. Donc, on accueillait des gens pour les bizuter. Donc, on les accueillait dans notre villa. On était à Nice. On les accueillait dans notre villa. Bienvenue. Colocation. Vous allez voir, chez nous, ça se passe super bien. Il n'y a pas de bizutage. Qu'est-ce que vous voulez manger? On va vous faire des pâtes à la carbonara. Nanana. Ils s'asseyaient et là on leur a servi, c'est vrai. Des éclairs au chocolat. Voilà, des éclairs au chocolat. Mais bon, oh, ça va, j'étais jeune, j'avais bu. Bah justement, on va te ramener ton dessert tout à l'heure, t'as pas eu le temps de le manger. Voilà, vous imaginez, regardez, ça c'est véridique cette photo. Ouais. Imaginez la villa dans laquelle on habitait. C'était à Nice. Une boîte de c'était Nice sous la piscine. Et on n'était pas plus riches que les autres. Hein. C'est que parce que déjà on habitait à 12 dedans, donc évidemment plus on est de fous, plus on rit. On a arnaqué un petit peu les allocations familiales pour qu'elles nous payent la maison. Et ça nous revenait à 1000 francs à l'époque, à 1000 francs par personne. Dans le sud ? Ouais, dans le sud. À Nice. Wow. Voilà. Donc, effectivement, ça c'est les études. Il part pour faire une carrière normale. Et donc, racontez-nous un peu le basculement. Comment ça se passe quand vous réalisez que vous êtes en train de passer à côté ? Il y a vraiment un jour où je me suis dit, si je continue à mettre ce costard, alors que j'en mets aujourd'hui des costards, hein, à mettre ma cravate et je vais me tirer une balle dans la tête quand j'aurai 40 ans, je vais regarder ma femme et je vais lui faire chérie. Et j'étais sûr de faire ça, quoi. Et je me dis, il faut que j'arrête. Qu'est-ce qui t'amuse vraiment? Écoute ton cœur, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire? Et là, je suis rentré, entre guillemets, la queue entre les jambes chez mes parents. Et je leur dis, je veux plus faire ça, je veux faire du théâtre. Je me suis dit, déjà, c'était tard, j'avais 24 ans. Je dis, si je le dis pas maintenant, je vais m'en vouloir toute la vie. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'être saltimbanque, j'ai envie de m'amuser, tant pis. Alors, ils étaient super déboussolés, mes parents. Ils m'avaient en plus payé des études qui coûtent cher pour être homme d'affaires. Ouais, mais comme ça, il était cultivé. Et après, quand il est rentré dans une classe de théâtre, il était absolument capable de jouer Pinter, de jouer Shakespeare, de jouer Racine, de jouer Tchékov, de jouer Spirandello. Ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, en plus, bon, ben voilà, c'était pas perdu tout ça. C'était une sorte de culture générale qui vous a servi par la suite. Théâtre, cours de théâtre, et là vous jouez, ce qui ne se voit pas tout de suite bien sûr, c'est pas l'image que les gens ont de vous, c'est que vous jouez du classique. Ouais. Tartuffe. C'était mon composite. Ouais. Oui, bonjour, je m'appelle Michael Benayoun. Je peux vous jouer Shakespeare, Molière, Pinter, Baker ou même Pirandello. Avec un regard un peu premier degré, ce qui vous ressemble pas. Non, mais c'est quand tu... Ouais. J'avais envie d'être compris, d'être sérieux, d'être...
intérieur profond. Alors donc c'est pour il ça le regard intense. Son truc c'était d'être intense. Souvent, son vie. Ouais, intense. Mais j'étais pas mauvais, hein, sauf que quand je me mettais à faire Hamlet, tout le monde se marrait en cours de théâtre et je me suis dit que ce serait peut-être mieux c'est si faux. Je faisais de l'humour. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y avait un pack de gonzesses qui voulaient coucher avec lui et c'était justement parce qu'il était intense, c'est pas du tout parce qu'il était drôle. Ça, c'est pas vrai. Parce que ça, c'est la version officielle. Et on me dit. Pas du tout, il était très bon, très intense. Ouais, mais et les filles étaient amoureuses de lui au premier degré. Non, mais moi-même, je me suis inventé des histoires à force de raconter des histoires. Voilà. Donc, je ne sais même plus de quoi était peuplé mon enfance. Donc, ça, c'est mon une affiche de pièce de Pinter que vous avez joué. Ouais. Et donc, il a fait du théâtre. Mais comment comme vous ça, avez trouvé ça? Vous faites des cours de théâtre. D'accord, qu'est-ce qu'on apprend dans les cours de théâtre? On apprend des techniques pour... Déjà, on apprend à aimer les textes, à respecter les ponctuations, à... Non, mais des trucs tout cons, quoi. C'est à être sur scène, à appréhender le public, à porter avec la voix. D'accord. Alors, de manière et puis, classique, la technique des vers. De vers. Manière classique, sans faire de parodie, est-ce que vous pourriez donner de l'intensité, puisque c'est de ça qu'on parle, hein. Je vous donne un texte au hasard, et on va mettre la lumière adéquate, hein, pour vous donner un peu d'intensité. Sans parodie. Oh donc, non. Attends, les poils. Allez, on applaudit Michael Hulot pour commencer. Sans deuxième degré, premier degré, vous allez vous lever. Mais alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Non, c'est pour ça, c'est pas grave. Donc je joue ce qu'on appelle neutre. Voilà. C'est-à-dire, j'y mets pas d'intention. À l'italienne. Juste un petit peu de mais profondeur. Mais mets des silences, de la profondeur. À l'italienne. Quand ma tête me dit le contraire de mon cœur, quand mes mains se souviennent de ces moments si forts, et quand je me surprends à parler de toi, je n'ai plus qu'une envie, te garder près de moi. Mais comment vivre ici? Quand tu dors dans ses bras, comment aimer ma vie si tu es loin de moi? Et j'apprends tous les jours à me passer de toi, à tuer cet amour qui voudrait vivre en moi. Et lorsque tu me donnes ces instants trop courts... Oh, mon corps, ça m'en... Mon corps... Ah, ça, c'est difficile, hein. Ah, tous les trucs sur le corps. Hein. Et lorsque tu me donnes ces instants trop courts... Oh, mon corps s'abandonne sans aucun détour. Vous savez pourquoi elle rit? Il n'a pas vu le pauvre. Je ris. C'est une chanson d'Evangeline. Je voudrais qu'on entende juste la chanson pour qu'on sache de quoi on parle. Oh, c'est génial. Écoutez la chanson. Écoutez la chanson. Je n'en étais pas rendu. Ah, avant de partir, Evangeline. Ça, c'est comme ça que le public connaît ses paroles. Avant de partir, ça peut devenir un texte très touchant. Ah ouais, vraiment. Mais ça en était déjà un texte touchant. C'est pas comme si c'était pas une chanson légère avant de partir. Tu lui dis quand même avant de partir. En plus, ça parlait de la mort. Merci, Miguel. Il m'a fait rêver une chanson. C'est un hommage. C'est un hommage. Ah, j'en ai pris. On lui donne même un verre d'eau. Alors c'est parti, donc un hommage de Michael Hulot, est-ce que vous pouvez vous lui rendre hommage? Attendez, allez-y. J'avais une question à lui poser, dans avant de partir tu dis j'apprendrai à me retenir. J'apprendrai à te retenir. Ah d'accord. Ah non, pas me retenir, merci. Ah non, mais j'ai fait que pas des petits desserts spéciaux moi pour les gens, c'est parce que je m'en retiens pas. Non mais pas. Parce que c'était tout le truc, j'apprendrai à me retenir je croyais. Ah non. Pas, moi je me retiens pas, je vais aux toilettes. On va donner un micro à Evangélie. On va donner un micro à Evangélie qui et tu vas chanter Cours au coucou, stache, stache. Exactement. Vous allez rentrer dans son univers. Wow. Vous connaissez cette chanson? Ah bah oui. On va mettre les paroles parce que je crois que c'est déstabilisant. Comme moi, il faut qu'elle le chante avec profondeur. Avec profondeur? Avec la musique surtout. Parce que bon, la on musique. Va vous mettre la musique, les paroles, parce que je trouve ça encore plus déstabilisant quand on essaie de les lire. On va vous donner un micro tout de suite qui arrive dans un instant sous les applaudissements. La voici. Vous pouvez vous lever. Eve, vous pouvez vous mettre là. Vous rentrez dans l'univers de Michael. C'est comme au karaoké, il va y avoir des paroles. Ouais. Wow. Je pensais pas qu'on allait s'amuser autant. Bon. Moi, j'aimais bien la corrida aussi, Vincent de Sagna. Attention, concentrez-vous. Daboul. Ah, mais il n'y a pas la lumière. Daboul Kanyesh. On applaudit très fort.
spectacle. C'est devenu une chanson tout de suite vachement plus sensuelle, vachement plus coquine. Alors coup de hein, là d'un coup c'était doubi doubi doubi. Genre on sait pas ce qui va se passer après. On les applaudit très fort en tout cas. D'avoir accepté de rentrer dans l'univers de l'autre. Alors on continue. Je sais vraiment pas, Jean-Pierre. Appelle à un ami. Alors on continue, on vous a laissé... On peut dire de ma sœur que même avant de savoir parler, elle voulait déjà chanter. Voilà, parce qu'on se demande... On vient de parler de la vocation, attention. On vient de parler de la vocation de Michael, mais on va parler... Un premier karaoké à 7 ans déjà. Premier karaoké à quel âge? Oh. À 7 ans, on me dit. Ah oui, parce qu'on me l'a offert. Ah ouais, bah Michael a un an. Chez moi, hein. Ça, y a des amis à vous qui disent, eh ben Michael a un an, karaoké. Vous dites un peu à quel endroit elle a fait ses premières tournées. Première tournée, vous vous rappelez de vos premières tournées? Première tournée sur dans scène. L'enfance. Oui, pas tournée Ricard, je reste pour moi. Hey. Non, mais j'étais dans une chorale, alors ça compte ou pas? Non, ça compte pas. C'est pareil que vous chantiez en bagnole dans toute la France et tout ça, à la voiture de vos parents. Ah, je chantais en voiture, ouais. Voilà, mais pas sur scène. Mais non, c'était une formule, c'était une image, c'était une métaphore. J'ai tourné, voilà, dans la... Il fallait surtout se taire et faire semblant d'écouter, ou sinon on se faisait taper sur les doigts. Il fallait que les gens vous écoutent. Ah, ça oui. C'était insupportable si on vous écoutait. Ah, j'étais nombriliste, je reconnais. D'accord, donc il fallait vous chantiez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fallait vous écouter tout le temps. Mais il parlait, moi je chantais. À chaque fois qu'on rentrait dans sa chambre, c'était un vrai concert pour le Betty Boop et Calimero. Bah dis donc, Paris-Perpignan d'un autre côté, c'est 8 heures de route. Hein. Vos premiers spectateurs de concert, c'était qui? Ah bah forcément, c'était mes parents. Non, dans votre chambre. Dans ma chambre. C'est Calimero et Betty Boop. Oh. Ah bah oui, mes compagnons d'enfance. Elle avait pris des cours de chant lyrique. On va te l'apprendre, ils sont décédés. Ils sont éternels, ils ont de la chance. Bon, effectivement, premier cours de chant, première, des cours de chant lyrique. Eh oui, j'ai fait du lyrique. Pour mais la... pour de vrai? Bah pour la technique, on m'a dit c'est le mieux. Pour le souffle, savoir quand respirer. On m'a appris à gonfler le ventre. Il faut respirer avec le ventre et pas... Les gens normaux respirent plus. Ils ont tendance à respirer là avec les poumons. Mmh. Il faut respirer avec les poumons, mais aussi avec le ventre. J'ai pas bien vu la technique, Rafael. On a dit très bien, toi aussi, de respirer par le ventre. Mais quand tu respires par les poumons, tu fais... Ah ben, là, c'est... Ouais. C'est les poumons. Et donc, j'ai fait du lyrique pour ça, pour apprendre à respirer. D'accord. Bon, on essaie de comprendre comment ça se passe, à quel moment vous commencez... pas à devenir professionnel, mais à vous chanter devant un public. Ah bah déjà, ma maman me l'a répété. Elle m'a dit, c'est pas en restant enfermée dans ta chambre que tu vas te faire remarquer ou que tu vas réaliser tes rêves, en fait. Donc elle vous pousse à aller devant un public. Bah elle m'a poussée plus jeune, quand j'avais 13 ans. Ça, c'est l'adolescence, c'est là qu'on est complexé. Donc elle avait mal au cœur de me voir pas sortir. Nos parents étaient le premier fan. Ils n'hésitaient pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller voir les concours de chant. Sans qu'elle me le dise plus, ça faisait un an qu'elle avait laissé tomber, on va dire. Ouais. Ma sœur me dit, il y a la fête de la musique chez moi. Dans mon village, est-ce que tu veux? Et ça a été le déclic, j'ai dit oui, mais de suite. Malheureusement, on l'a souvent appelée la Poulidor des concours parce qu'elle finissait toujours deuxième. D'accord. Oreille bionique. Non, mais il paraît qu'on vous appelait Poulidor. Oui. Pourquoi? Je finissais tout le temps. Deuxième, bien. Dans les concours. Mais enfin, dans les la concours, scène, ouais, bien du sûr. Coup, parce que c'est pas rien de monter sur scène encore une fois. Il y en a plein qui en rêvent et d'autres qui n'osent pas. La scène, en fait, lui a permis de se faire voir et remarquer des beaux jeunes hommes. En tout cas, ça vous permet quoi? De se retrouver sur scène, ça change la personnalité et la perception du monde. Ah bah oui, je suis devenue coquette, ouais. Parce que je me suis dit, bon bah voilà, il faut te maquiller un peu pour monter sur scène. Donc j'ai commencé à mettre du fond de teint, et comme par hasard, j'ai commencé à être féminine, à m'accepter. Et un an et demi après, j'ai trouvé l'homme de ma vie, donc ça a marché quand même, on va en parler, de sortir de chez soi. On va en parler tout à l'heure de cette rencontre. Mais elle a quand même dû attendre le bac pour pouvoir continuer. D'abord, on vous a dit qu'il faut avoir le bac, vous l'avez eu. Ah oui, madame. D'accord, ouais, donc vous passez le bac, et là, décision importante, vous dites à vos parents, bon moi j'aimerais bien prendre une année sabbatique. Ah ouais. Pour tenter ma chance. Ah ouais, j'ai dit à mes parents, bah, ils m'ont tellement dit, si t'as ton bac, tu pourras vivre ton rêve. Je les ai pris au mot, hein. J'ai tenté quand même 2 semaines en fac de lettres. Ça m'a gavé. Au bout de 2 semaines, j'ai dit, bah, tu te rappelles ce que t'as dit? Je vais le mettre en application. Okay. Et en une année, elle m'a dit, tu as une année pour percer. Hein. On va y revenir, on s'arrête là, c'est en plein suspense. On repasse sur Michael, la biographie. Donc on l'a dit, les cours de théâtre. Bah dis donc, je sais pas, fais des préliminaires, d'un coup d'un seul, tu reviens. Il a eu peur. Je suis pas prêt, là, faut me rechauder. Hein. Il est très préliminaire. Vous faites une école de radio, d'accord? Et là, vous êtes pris dans une radio pour un premier. Vous êtes pris dans une radio pour faire des flash infos. Oui. Là, vous avez fait le flash info. Oui, mais... sur Skyrock, ouais. C'était pour faire les flash infos de la matinale. On était en plein mois d'août. On est deux à s'être présentés au casting. J'ai juste été meilleur que l'autre. C'est ce qu'ils appellent avoir de la chance quand même. Dans ce métier, on dit souvent « ouais, faut travailler ». Quand je l'ai rencontré à Fun Radio, il a fait une blague vraiment bien pourrie.
Ça a fait rire Eric et Ramzy, puis ça a commencé comme ça. Un moment récurrent comme ça dans ma vie, j'ai eu de la chance. Il y en a qui ne saisissent pas leur chance. On me dit, enfin, la question qu'on se pose quand on, voilà, quand on suit votre biographie, on se dit, mais comment il est passé de l'info à la déconne? Il paraît que ça vient d'une blague pourrie. Ah ouais, bah, j'en faisais tous les jours des blagues pourries. Il y avait Eric et Ramzy qu'on a entendu une. Oui, c'est vrai, oui. Non, mais alors ça, c'était avant. Oh là là, la personne qui vous informe mal, là. Non, c'est avant d'être journaliste radio. Et Eric et Ramzy nous ont initié un peu à la bêtise en se jetant des n'importe quoi sur la tronche. Sur Fun Radio. Donc, on essayait de leur écrire des blagues qu'ils disaient jamais. On faisait des personnages au téléphone. Moi, je faisais Dimitri. Jetais des claviers d'ordinateur, des CD. Super drôle de se moquer de la pauvreté. En fait, tu l'as fait de là, ouais, tout ça venait de là, quoi. Ils entendent vos bêtises et bah, c'est ça. C'est, ouais, c'est, mais Eric et Ramzy, à l'époque, ils n'étaient pas connus non plus. Hein. Mm. Et après, eux, ils se sont fait virer parce qu'ils ont traité le patron de nazi. Donc, ils se sont fait virer. Et donc, nous, on a suivi, quoi. Sans boulot, avec Vincent et Fred. Et là, ils nous ont dit, on a un pote qui démarre sur une petite radio, Radio Nova, il s'appelle Jamel, et c'est là qu'on est devenu assistant de Jamel Debbouze aussi, quoi. D'accord. C'est bizarre, la même année, faire assistant d'Eric Ramzy et Jamel Debbouze, ça fait bizarre. Ah ouais. Mais en même temps, ça forme au niveau de l'humour, ça va. Ouais. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont pas gardé à Nova? J'étais nul. Non, je pense que c'est ça, j'étais transparent à l'époque, quoi. Moi, ça m'allait de lire les bouquins, de faire des fiches et de faire, tiens, tu veux un café? Je vais te le chercher. Non, me tape pas. Ça m'allait. Et puis à un moment, je crois que j'ai eu envie aussi, comme disait Andy Warhol, de mon quart d'heure, quoi. Quart d'heure de gloire. Parce qu'en peinture, il est super nul. Mais arrête, tu dis que des conneries. Tu vois bien. Arrête. Alors. Non, parce qu'on parlait des défis. C'est presque un toc. Ils relèvent les défis. Et Eric et Andy vous ont fait relever des défis, a priori, on m'a dit. Ils nous demandaient de nous jeter dans l'escalier. C'est vrai. C'est-à-dire le concours de celui qui se faisait le plus mal. Au haut de l'escalier, et puis vous jetez dans l'escalier. Oh, tu as fait ça. Et ta tête... Ma tête, tu vois comment, dans quel état je suis, mais regarde-toi, et tu t'es pas jeté dans l'escalier. Ah, mais je vais peut-être essayer, alors ça va remettre les idées en place. On plaisante. Et les plus drôles n'ont pas été filmés, je pense. Et ceux qu'on a fait au restaurant. On a commencé, je crois, que le premier même pack-up vraiment assez important, il s'est fait dans un restaurant branché parisien où on sortait, je crois, de la fête de la musique ou je sais pas quoi. On avait fait on était tous ensemble, on s'est retrouvés à une table et à côté de nous, dans le restaurant, il y avait Ben Stiller et Jennifer Aniston qui étaient en promo d'un film. Et on s'est amusé à foutre le bordel dans le restaurant. Il y en avait un qui imaginait le défi, on faisait tourner une bouteille pour savoir sur qui ça allait tomber. Et le jeu de la bouteille d'ailleurs. Voilà, c'est le jeu de la bouteille, exactement. Et donc il y a eu des défis, il fallait qu'il aille manger dans les plats de quelqu'un qui ne connaissait pas. Donc il y avait un couple qui mangeait tranquillement dans le restaurant et il s'est approché, il a mangé. Et puis après dire c'est pas bon, hein. Il dit c'est dégueulasse, hein. Les desserts sont ok. Oh, alors, elle était longue, cette anecdote. Hein. On me dit, dans la vraie vie, même sans caméra, il le fait avec ses potes, etc. Dans un restaurant où il y avait deux stars américaines. Il y avait Jennifer Aniston et Ben Stiller. Ouais. Oh, j'adore. Et qu'est-ce que vous faisiez? Mais c'est avec pas vos moi potes qui ai fait les trucs. C'est Benjamin. Qu'est-ce que vous faisiez avec vos potes? C'était quoi le principe? Mais rien, c'est là qu'est né le truc où vous tournez comme ça, là. Le même pack-up. On prend une bouteille, on la fait tourner, et celui sur lequel s'arrête la bouteille. Ah. Bon, là, c'est moi. Bon, là, c'est toi. Il a le droit à un défi. D'accord. Et les défis dans le resto, c'était quoi, par exemple? C'était aller embrasser Jennifer Aniston ou aller raconter une blague à Ben Stiller. Et vous étiez déjà connu à cette époque, vous? Ouais, un petit peu. On sortait des 11 commandements. Vous êtes toujours... Mais bon, Ben Stiller, il te connaît pas. Hein. Pour lui, t'es Jean-Bernard Durand. Ouais, ouais. Faut oser, c'est vrai. Faut oser. Mais il va manger dans l'assiette de quelqu'un. Donc, effectivement, ou aller manger dans le plat de quelqu'un qui est... Oui, oui, oui. Mais c'est malhonnête de dire ça parce que celui qui fait le plus ça, c'est Benjamin. On était tellement fan de ça qu'on en a fait un jeu. C'est Benjamin le D'accord. pire parce que moi, le problème, c'est que je faisais beaucoup de... Moi, je fais encore beaucoup de choses en in quand la caméra filme. J'en faisais avant quand j'étais pas connu. Mais maintenant que je suis connu, j'ai tendance à être très, très discret. C'est pas vrai. À l'étranger, c'est pas du tout comme ça. Sauf à l'étranger. Ah oui, à l'étranger, c'est pas pareil. On me connaît pas. Je peux D'accord. faire ce que je veux. Donc, par exemple, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'insulte la police. Ah ouais, il prend les routes qui sont pas des routes et il plante la Ford Mustang sur des rochers avec quelqu'un à l'intérieur qui a très peur. On donne des exemples, forcément, mais j'ose pas les citer parce que ce sont des indices. Enfin, le téléspectateur aura entendu, il connaîtra la vérité. Le téléspectateur, moi je paye ma redevance, Frédéric Lopez. Je suis un téléspectateur autant que les autres. Qu'est-ce que vous avez fait à la Guadeloupe? À la Guadeloupe? Oui. Dont les gens se souviennent. J'ai fait la Guadeloupe. C'est là où on a inventé les 11 commandements. Non, j'ai aucun souvenir.
J'ai rien fait à la Guadeloupe. Bah, la première heure, ils nous ont dit impossible, il n'y aura aucune femme de ménage qui viendra faire votre chambre de tout votre séjour. Voilà, j'ai dit du mal de Francky Vincent, mais je ne le pensais pas. Non. Bon, enfin, on nous explique que vous avez un peu foutu le feu et donc on vous annonçait à l'hôtel aucune femme de ménage ne viendra faire le ménage dans votre chambre. Ah non, ils m'ont interdit d'hôtel. Mais ça, pas qu'en Guadeloupe. Hein. Il y a 3 hôtels à Lille, à Bruxelles, etc. Je suis interdit d'hôtel. Moi. D'accord. Par exemple, c'est à Lille, on a refait la déco d'une chambre. Il a changé, il a mis les meubles d'une chambre à l'autre. On a mis un maximum de serviettes et de draps pour murer un petit peu la salle de bain. On a fermé la porte, on est parti. Puis... Elle est choquée. On voulait transformer la salle de bain en piscine. Je suis interdit de pas mal de d'hôtels. Mais j'ai arrêté tout ça. Si vous êtes patron d'un hôtel, un hôtel de luxe à Cannes, etc. Maintenant, je suis quelqu'un de super calme. Rassurez-vous. Maintenant, il met le feu tout de suite. Pas, il a dit ça. Non, mais c'est là où il se dit maintenant, il met le feu tout de suite. Bon, alors, ce que je voulais entendre, en fait, c'est que moi, quand vous avez fait tous ces défis, je pensais que c'était une niche marketing. En fait, pas du tout. C'est vraiment votre nature. Ah ouais. Il est vraiment con. La création de ce. C'est vraiment votre nature, on me le confirme. Donc, Non, il a dit con, hein. Le mot c'est con. Attention, non. Et donc, mais qu'est-ce qu'il a pu faire comme van sur niche marketing? J'ai pas répété. Ça, c'est Vincent. Alors, Vincent? Vous savez que l'année dernière, c'était en décembre dernier pour les fêtes, est sorti un jeu, parce que finalement c'était tellement leur nature, ils en ont fait un jeu. Ouais. Est-ce que vous assumez tout ce qu'il y a dedans? Non, mais ça veut pas dire que je vais tout faire. Je te vois venir. Parce que vous, vous avez écrit. Mais non, mais vous, vu qu'il y a plus de 400 défis, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez plein d'assistants que vous payez avec des crottes de nez, vous leur avez fait tout lire. Il les a tous fait, les défis. Plus improbable. C'est exactement ça qu'on a fait, madame. Messieurs, applaudissements. Bon, vous avez compris. C'est un jeu M qui s'adresse aux adolescents. Si. Moi, j'aime bien, moi, les défis. Vous aimez les défis? Alors venez avec moi, vous allez vous affronter. Mesdames, messieurs, Evangeline, Mickaël Hughes. C'est fou, hein. Alors, il y a des défis chronométrés, des défis stupides, des défis cérébraux, des défis à faire à deux, ouais. Des défis en duo et des défis physiques. Voilà. Ah. Donc, vous allez... Il y a un dé. Qui commence? On va dire que c'est... Honneur, hein, allez-y. Honneur aux mademoiselles. Hein, attention, il va falloir relever le défi. Ouais. Ah. Ah, une ampoule, c'est pour moi, ça? Une ampoule, genre, j'ai une idée. Je vous propose deux choix. C'est un défi cérébral. Ah, ça m'étonne pas. Combien y a-t-il de calories dans un spectacle? Je vais la lire. Alors, vous devez imiter 3 hommes politiques français. 3? Faut déjà les connaître. C'est toi qui les choisis. Écoutez. Ok. Un point. Français. 2 points. Voilà. Ah, du coup, je m'arrache tout. Nicolas Sarkozy. C'est pas pratique d'être sarkozien. Ouais. Et troisième imitation. Et bien, le troisième, c'est là que je bug, j'en vois 2, moi. Oui, mais comment l'imiter? Pouf, pouf, pouf. Il disait pas ça? C'était qui? Je crois que c'est Raymond Barre. Mitterrand. Pouf, pouf, pouf. On a pensé à Raymond Barre. Mitterrand, c'est perdu. Tant pis, vous n'avez pas votre point. Ah, ben Mitterrand, si, Mitterrand. Il faisait pouf, pouf, pouf. Non, c'est Raymond Barre. C'est Raymond Barre. Vas-y, dis-moi Mitterrand. Mitterrand. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais il mettait la main comme ça pendant les débats. Non, sérieux? Ouais, bon, ah, voilà, vous n'avez pas le point, vous n'avez pas le point. Hop, c'est parti, attention, c'est à vous, Mickaël. T'as un défi. Cerveau? Un défi stupide. Okay. Non, c'est un cerveau barré. Ah oui, t'as pas de cerveau. Ok, allez-y. Défi. Alors, je vais la lire peut-être parce que comme vous êtes que deux, des fois ça marche pas. Oh non! Brosse-toi les dents avec de la moutarde et du ketchup. Ah, ça c'est bien bon, ça! Voilà le défi, on peut l'applaudir parce qu'il va le faire forcément. On amène les ustensiles. C'est vous qui avez écrit ça, hein? Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que c'est un extrait du jeu mais qui est actuellement sur le marché. Quand tu réalises un film sur un criminel, tu n'es pas criminel pour autant. T'auras bonne haleine, je crois. Oh, dis donc. Non, Van Halen. Van Halen, j'adore ça. Tu resteras loin. La 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 la. 3 minutes tard, hein. Oh, quand même. Vous avez prévu un endroit pour qu'il crache ou pas? Il faut un truc pour cracher. Ah, c'est un conseil, je dis ça parce que je sais pas lui que ça va gêner. Eh, ça pique la moutarde, non? Ça doit piquer les gens. Pourquoi? C'est pour cracher. Ça pique. Oh, il a relevé le défi, un point. Waouh, incroyable. Il a mangé de la moutarde et du ketchup. C'est dingue. Ce type est fou. On me dit, ce type est fou. Il y a des gens qui me gueulent. Ah, vous, Eve. Ah non, ah, je croyais de plus. Allez-y, allez-y. Ah, j'ai de la chance, c'est l'ampoule éclairée. Vous avez un petit verre d'eau. Allez, ça va, ouais, allez, il en reste plus que 2. Ah, toujours intelligent, je suis contente. Ouais. Tu disposes d'une minute pour chanter La danse des canards avec un gâteau dans la bouche. Oh.
c'est débile, c'est ça. C'est pas... Non, mais c'est pas l'intelligence. Alors, le gâteau. Allez, ici, le gâteau. Attention. Et c'est là que la carrière d'Evangélie s'arrêta. Mais j'aime pas, en plus, les trucs secs. Non, faut qu'elle le chante avec la touffe de poils du début d'émission. Ouais. Okay. Prends un gros bout, en plus. Alors, est-ce qu'on attribue le point public? Est-ce qu'on attribue? À vous, Mickaël. On mène pas cap, ce qui compte, c'est plus l'intention. Quand même. Alors, il est pas bien ce jeu. Encore? Mais il est truqué ou quoi? Alors, c'est parti. Encore un défi stupide. Si. Alors. Oh là là. Attention. Alors, roulez-vous une pelle de 30 secondes sur un miroir. Non, mais. T'as 30 secondes, c'est super long, quoi. Bah, imagine que c'est. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent qu'il a imaginé ça avec ses camarades. Ça va être facile, il est plutôt beau gosse. C'est pas vrai, vos chronomètres? Il va se draguer avant. Dis donc, t'es plutôt pas farouche, toi, j'ai l'impression. Le public est épaté, c'est 30 secondes de messieurs. Comment on appelle ça, c'est une auto-sexualité? Et la messieurs, Mickaël Youn. Un deuxième point pour Mickaël, attention. Je m'en étais rendu compte, hein, que vous étiez là. Allez, c'est à vous. Non, il y a deux partout. Et non, moi j'ai raté le premier. Ah, pas de cerveau. Alors, attention. Question stupide, attention. On dit la troisième, c'est la bonne. Non, c'est pas ça. J'ai pas de cerveau. Tu disposes d'une minute pour parfumer un de tes vêtements avec du désodorisant de toilette. Ça va, allez, ça encore. Allez. Enfin, je dis ça, je mets plus de parfum, moi, parce que Berk. Je mets, enfin si, je mets du déo, mais pas de parfum. Alors attends, parce que t'as pas vu la question, est-ce que tu disposes d'une minute pour parfumer ta culotte avec du désodorisant de toilette? Non, les vêtements. Yeah. Alors allez, la parle tout de suite. Allez, alors maintenant c'est, vous êtes à égalité. Donc c'est le dernier, dernière épreuve pour vous départager. Ça pique. C'est chimique. Ah, c'est nucléaire, ça. Tu vas voir, il y a une troisième jambe qui va te pousser entre les deux. Donc c'est le dernier pour vous départager. Le dernier pour nous départager. Ah, oh, parfait. Donc c'est un duo. À faire en duo. Choisis un joueur et reste le nez dans sa bouche durant 30 secondes. C'est celui-là. Le public attend cette. Je te mets un défi de rester le nez dans la bouche de Frédéric qui vient de. Non, mais c'est un défi en duo. Ah, Ah non, mais moi je le fais pas de façon. La jeune fille. Tu sais quoi, là où je suis straight, c'est que moi je vais choisir le plus dégueulasse. Moi je t'ai choisi une jolie jeune fille. Je vais pas choisir le plus dégueulasse, sinon il va se vexer, mais je vais en choisir un bien chocolat. Et c'est tombé sur toi. C'est la grande classe de Mickaël. On les applaudit très fort, attention le duo. Levez-vous. Je rappelle le principe, il doit rester le nez dans sa bouche durant 30 secondes. C'est lui qui a inventé ça, mesdames et messieurs. Non, mais tu dois le faire aussi, non? Ouvre la bouche. Vous perdez un point. C'est comme vous avez déjà fait des concours d'apnée, c'est exactement pareil. Faut être à l'intérieur. Ayez pitié de lui. Non, ça c'est triché. Vas-y, ouvre la bouche. Ah, mais c'est dégueulasse. Ouvre la bouche. Oh non, mais comment il bouche? Ça va bien se passer. Bon. Il est pour nous encourager, 30 secondes. Bravo. Donc vous, Mickaël, vous ne relevez pas le défi? Ah non. Mickaël, lui, il a gagné à 100 euros. Mesdames et messieurs, nous applaudissons du public. Il nous a impressionné et comme il a gagné, vous savez ce qu'il a gagné? En plein milieu d'émission, alors que ça n'était pas prévu, il a droit encore à une minute de promo, mes messieurs, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne sont pas au courant. C'est génial ce jeu. Aujourd'hui est sorti Fatal, le film qui a été réalisé par Mickaël Youn, qui est sur les écrans depuis aujourd'hui et ça marche déjà très très fort. Et si vous voulez comprendre pourquoi, allez le voir. Et je le rappelle, j'adore le dire, évidemment, ça va devenir culte auprès d'une génération entière. Un peu comme nous, le Père Noël est une ordure, vous vous rappelez? Carrément. Et je pense vraiment. Et les adultes
Les gens de mon âge vont se régaler, même s'ils n'avaient pas l'intention d'aller le voir. C'est pour tout le monde. Voilà, Fatal sur les écrans en ce moment. Il avait gagné une minute de promo. C'est pas vrai, hein. C'était super. Très très bonne hygiène bucco-dentaire. Ça va ? J'ai juste des petites bêtes qui me grimpent à l'intérieur du nez. À part ça, wallah, ça va. Je dirais le Cameroun, la réponse B. Le running gag. Alors, Eve, vous avez 17 ans, effectivement. Un peu plus maintenant, j'aimerais bien. C'est pas mal. Non, c'est le présent de la narration. Ah. Donc, c'est que... Parce que moi, j'ai pas 17 ans. Non, je préfère le dire. Hein. J'aurais dû dire, en 1998, vous avez 17 ans. 17. D'accord. Après plusieurs angines à répétition, une opération des amygdales, et je demande où je vais en venir, décidément. Eh bien, vous participez à un casting Graines de Star à Montpellier. Et vous vous cassez la voix sur un titre de Morane qui s'appelle « Ça casse ». En plus. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, ce casting. J'ai même pas fait exprès de choisir celle-là, mais j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas fait mieux. Donc on chante « Ça casse », et vraiment ma voix, j'avais les amygdales en feu, j'ai raté mon casting, mais grave. Là, j'étais même pas poulie d'or, j'étais dernière. Ça aurait pu vous décourager, mais non. D'accord, vous allez à Montélimar. Passer un autre concours, et là vous faites connaissance de quelqui qui était dans le jury à ce moment-là. Ah oui. Qui s'appelle Michel. Suspense. Michel. Oui. Et il vous remarque. C'était il y a 12 ans. Hein. Il vous remarque, il porte un regard sur vous, avant tout le monde. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il voit en vous le talent que d'autres ont reconnu par la suite. Et le pire, c'est qu'il avait pas ses lunettes, alors je sais pas comment il a fait. C'était vraiment la voix qu'il a écoutée, il me voyait pas en fait. D'accord. Enfin, donc, pas bien. Née une relation effectivement extrêmement fusionnelle, professionnelle et personnelle, puisque vous vous installez ensemble 5 mois plus tard. Et 13 ans plus tard, vous êtes dans le show business, vous multipliez par 7. Hein. Donc, c'est comme pour les chiens. C'est vrai, donc, c'est dur de rester ensemble. Tu parles en connaissance de cause, j'ai l'impression. C'est énorme, vous vous rendez compte ? Bah, nous, 13 ans ensemble. D'accord ? Donc, 13 ans ensemble. Et vous commencez à... Vous ne connaissez personne ni l'un ni l'autre dans ce métier. D'accord ? Ah bah non, lui, il était de Vienne, près de Lyon. Moi, j'étais du sud de la France. Près du sud de la France, non ? Et qu'est-ce que vous faites ? Vous écrivez des chansons. Et vous y croyez ? Ah ben oui, surtout lui. Moi j'y croyais, mais je me disais, ça me paraît énorme de dire on va envoyer un disque par la poste et comme par hasard quelqu'un va l'écouter, va me rappeler. Moi j'y croyais qu'à moitié quand même. Je me disais oui, ok, je chante, j'adore chanter, mais de là à dire que juste par un envoi on va me remarquer, non. Non, j'y croyais pas en fait. Donc lui il y croit pour vous. Ah oui, il y croyait beaucoup. Eve, elle cherche un pseudonyme. Son premier pseudo c'est Eve Adams. Vous changez de nom à ce moment-là ? J'ai pris un pseudonyme en fait. C'est comment à ce moment-là ? Mon vrai nom c'était Vanessa Garcin. Et j'ai repris mon deuxième prénom sur ma carte d'identité, c'est Eve. Eve Adam, c'est ça ? J'aimais Eve bien, Adams. Voilà, Eve Adams, parce que j'adorais la famille Adams. D'accord. J'étais un peu gothique avant. Donc votre nom à ce moment-là, c'est pas Evangélie, c'est pas Vanessa, votre vrai prénom, c'est Eve Adams. Le gros pseudo, exactement. Le gros Eve pseudo. Adams. Et un petit peu actrice de hard. ça fait Eve un peu Adam et Eve, yeah. Tout le monde à poil. À qui est-ce que vous envoyez, ces maquettes en fait à ce moment-là ? Ah bah tout le monde, c'est-à-dire toutes les maisons de disques. Ouais. Et puis aussi un truc nouveau à l'époque, une radio, la première radio musicale Énergie, qui lançait un dire. Casting. Fred, il faut que tu saches que le premier clip d'Evangélie, c'est nous dans le Morning Live qui l'avons passé. C'est vrai. Ah, on me dit le premier clip d'Evangélie, c'est vous qui l'avez passé. Et vous en rappelez pas, mais elle peut s'en souvenir. Si, sur le Morning. Morning. Ah, c'était à moi que tu parlais. Il te regarde. Non, parce que comme depuis le début, parfois tu parles en regardant. Oui, exact. C'est nous qui avons passé le premier clip. Vous confirmez ? Ah oui. Moi, je me rappelle même l'avoir vu faire des bêtises sur mon clip. Toi, tu dois pas te rappeler avec toutes les bêtises que tu fais, mais... Bon. Tu étais habillé comme moi, méchant. Dans le clip, tu sais, j'avais une robe blanche. C'est pas méchant. Et sur le plateau, tu t'es mis en robe blanche et tu m'imitais, tu disais... Voilà, à peu près, dites-moi bon, en tout cas, il a diffusé le clip. Ça, c'est gentil. Et donc, énorme succès, les gens n'imaginent pas, 500 000 exemplaires. Eh oui, 600 quasiment. Non mais vous vous rendez compte, elle est en province, elle connaît personne, elle envoie ça à n'importe qui. C'était avant de partir. Mon tout premier single, c'était avant de partir. Mais c'était avant de partir. Non, je suis restée. J'en ai fait 3 albums. Bon, disque d'or, disque de platine, plus de 600 000 exemplaires vendus. On vous invite partout, à la télé, à la radio. Et puis, alors, paradoxe, parce que à ce moment-là, alors que ça marche, la maison de disque joue le jeu, mais les producteurs vous lâchent, ça veut dire quoi ? Ouais, c'est pour ça, moi. Bah, ils me lâchent, c'est-à-dire que...
en fait, dans ce métier, dès qu'on est nouveau, ça va. Et quand il y a des nouveaux qui arrivent, ça va plus. C'est-à-dire qu'il y a eu la grande mode juste après moi des téléréalités télécrochées, hein, comme il y a sur toutes les chaînes en ce moment encore. Et forcément, j'avais pas de moyen de lutter parce qu'eux, ils ont une exposition énorme. Et donc, ils m'ont un peu laissé tomber pour les nouveaux concepts. Alors, moi, j'étais dans un concept un peu périmé. Quoi. Non, mais ce qui est fou, c'est que, parce que vous racontez avec une lucidité incroyable, sans aigreur, c'est ça que je trouve chouette sur vous. Mais il y a des gens qui ont posé un regard positif sur vous dans votre existence. J'imagine que vous les avez pas oubliés. Qui a cru en vous, les premières personnes professionnelles qui ont cru en vous? Bah, le tout premier, en fait, il y a Philippe Oustis, parce que c'est lui qui a écouté le fameux disque. D'accord. Et qui m'a rappelé. Donc lui, vous lui devez beaucoup, j'imagine. Ah bah tout. Tout. Ah oui, Philippe Oustis. Attendez, madame, monsieur, applaudissements. Ah, c'est énorme, mais putain, c'est énorme. J'ai super peur. Oh, merci. J'ai cru que c'était comme à Roland Garros avec Monica Seles. Non, mais j'ai vu un mec arriver, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Ah, mais je suis... C'est vrai? C'est mon papa artistique, hein. Mais je ne l'avais pas revu depuis, ça fait... Depuis 10 ans. Pardon. Ah, c'est... Vous voulez vous faire un câlin, parce que vous voulez vous faire plaisir. Vous voulez vous faire plaisir. Ah oui, mais c'est... Expliquez ça fait 2 ans, en plus, je voulais le revoir. Ah, parce que je me disais, j'ai pas pu le remercier, quoi. Ah, c'est super, merci. Bon, déjà, on a applaudi Philippe d'être venu. Ni d'Adam ni d'elle, c'est le cas de le dire. Ouais. Il écoute dans son jardin, en plus je me rappelle l'histoire, il me dit j'ai écouté dans mon jardin, plein de disques, je jetais, je me rappelle cette phrase. Et puis il y en a un que j'ai gardé, et j'étais rappelée, et puis c'était moi. Et pour que le public comprenne, parce que tout le monde n'est pas artiste, dans ceux qui nous regardent, pourquoi... Ça... Est-ce que vous arrivez à comprendre Est-ce que vous pouvez... J'ai plus de maquillage, ça y est. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est si grave, émouvant? Pourquoi c'est si émouvant pour un artiste de comme ça, d'avoir près de soi? C'est une chance. Si on ne la saisit pas, cette chance, on n'est même pas là en train d'en parler. Et moi, j'en ai conscience de ça. C'est, comme disait Michael Loun, le facteur chance, mais il est énorme dans ce métier, ça tient à rien. C'est pour ça qu'on est superstitieux dans ce du métier. Travail quoi. Aussi, parce qu'on a travaillé un an pour faire le vrai single le vrai qui single. Est sorti. Ah oui. Et donc, voilà. Après, on a été en relation pendant un an, j'ai refusé des trucs, j'ai été capricieuse. Mais tu as raison, tu as raison. Exemple, parce que là, aussi, c'est important de comprendre que Eve joue comme ça les cervelets, la détermination. Vous, vous lui proposez quoi? On avait trouvé Eve, il nous fallait le titre, elle ne l'avait pas vraiment, mais il y avait matière. Et puis en fait, je lui fais reprendre une chanson de Richard Cochian, de Notre Histoire. Et elle, ça ne lui plaisait pas. Elle l'a fait pour me faire plaisir, mais ça ne lui plaisait pas. Donc bon, moi, je ne l'ai pas forcé ni quoi que ce soit. Et ils ont continué à travailler, et puis ils ont fait avant de partir. Et là, j'ai pensé que voilà, ça allait le faire. Et ça l'a fait. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Eve? Parce que vous la connaissez bien et les gens ont une image d'elle un peu stéréotypée. Non, bah, je veux dire, l'image stéréotypée, je la trouve fausse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très intelligent pour durer dans ce métier. Et en fait, elle dure, quoi qu'il arrive, avec des hauts, des bas, en passant de la chanson à la comédie, etc. Je veux dire, elle continue. Et ce qui me fait aussi plus plaisir, outre la réussite professionnelle, c'est qu'elle soit toujours avec Michel. Et ça, c'est formidable dans ce métier parce que ça n'arrive nulle part. Voilà. Et Michel est ému. Non mais moi ça me... Non mais si mais c'est pas vrai, il est en train d'échafauder un plan pour pouvoir monter. Il y a une vanne là-haut, mais dites la vérité, dites-la. Non, mais je vois que ça vous touche pour de vrai. Mais parce que elle est, voilà, c'est la sincérité, c'est toujours touchant. Elle est émue de le retrouver. Mais Michael, les gens gentils, ça le fait toujours pleurer. C'est quelqu'un qui a cru en elle et là où t'as raison, c'est que sans ces personnes qui croient en vous à un moment, on n'est pas là. On n'est pas. Ce qui est marrant, c'est que de suite j'ai dit, il y a un nom, quoi, j'ai dit, bah Philippe Oustis. En tout cas, on l'applaudit très très fort. Merci d'être venu nous voir. Merci. Ça a fait plaisir visiblement. Merci. 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 Tu vas finir pareil, toi, je t'avertis, tu vas avoir chaud dans quelques instants. Je me suis interdit d'avoir des émotions de télévision, parce que quand j'ai des émotions, je quitte les plateaux en m'engueulant avec les gens. Voilà, je peux pas m'engueuler avec Frédéric, qu'est-ce qui va se passer? Non! Il y a des gardes. Je vous avais dit de pas inviter Vincent! Il pense qu'il y a Vincent, évidemment. Alors, la question, c'est... J'ai toujours peur. Oui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que... là aussi, il faut faire des ellipses, mais je veux qu'on me raconte un peu les coulisses de ce métier. C'est ça qui est fascinant. Donc, la radio, on en a parlé. Puis, il y a eu la télévision, Michael. Bah, je regarde cet écran. Non, vous l'avez pas. Michael, oui. J'ai toujours peur qu'il se passe un truc. Alors... La télévision, là aussi, on parlait de chance, enfin voilà, c'est un coup de fil, quelqu'un qui vous parle d'un casting sur M6. Que je vous dise pas de bêtises, Jérôme Foucret, qui était à l'époque le patron de Fun TV, chaîne qui depuis est décédée,
qui écoute la radio, qui m'entend sur Skyrock faire mon journal, il trouve ça sympa, il se démerde pour me contacter, il me fait passer le casting pour animer. L'année prochaine, M6 a décidé, avec Fun TV, de faire une matinale un petit peu, on va dire, FM isante. Et voilà, on était trois au casting, et une fois de plus, j'ai eu la chance d'être meilleur que les deux autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le Morning Live le matin sur M6. C'était une émission de radio à la télé. Et nous, on a voulu faire des sketchs tout de suite, mais on n'avait pas les moyens. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le succès, évidemment, personne ne s'y attend, même pas les diffuseurs, même pas la chaîne, même pas M6. Au départ, ils pensent faire de la télé, de la radio filmée. Ouais. Mais vous, vous avez un petit truc dans la tête. Déjà, un, vous imposez vos potes, et deux, vous voulez faire des sketchs. Mais il n'y a pas de moyens pour faire des... il n'y a pas de budget. Non. Donc, je m'ai acheté une caméra pour filmer mes vacances. Je l'utilise, j'ai un petit caméscope grand comme ça que j'avais acheté l'été. Et je l'utilise pour faire ce qu'on appelait la boîte à images, c'était le truc avec le mégaphone. On me dit que c'est Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins, et je teste ça un jour dans mon quartier à Boulogne, à 5h du matin, je gueule et effectivement, pour essayer de réveiller ses voisins. Ouais. Et je me filme tout seul en posant la caméra c'était sur mon le capot. Vrai pour le capot de la voiture, c'était mes vrais voisins. Voilà, et c'est comme ça que c'est né. Et ce qui est marrant, si je peux juste dire, c'est qu'il y avait le tube. Pardon. Le tube Waza qui était pile en même temps que tu avais lancé ça. Ouais. Et du coup, après, tu le faisais dans l'intention, tu te rappelles pas, de Waza qui réveille vos voisins. What's up, vous vous rappelez pas de ce tube? Si. Ah, tu vois, j'ai senti que tu t'étais inspiré. Waza. Moi, ce que je trouve formidable, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes dans ce métier, etc., c'est qu'évidemment, personne n'imagine ce succès. Et on tournait chez ses parents. Dans son salon, ça nous servait de salle d'attente pour des sketchs. Et sa mère n'était pas au courant quand on tournait ça. Est-ce qu'il se souvient du tailleur Pierre Cardin de sa mère? Parce que sa mère s'en souvient. Super drôle. Donc, elle n'a pas marché cette vanne. Ne t'inquiète pas, ça va marcher. Donc, le tailleur de votre mère, c'est le vrai tailleur de votre mère? Ah oui. Ah ouais, oui, oui, c'était le... Non, mais on n'avait pas de budget pour les costumes. Donc moi, j'allais me servir dans la garde-robe de ma mère, dans son placard. Mais au bout d'un moment, il sentait trop le vomi, donc elle a pas voulu le récupérer. Des tailleurs que je remettais après le lendemain discrètement, bon, avec quelques petites taches de vomi dessus. du faux vomi. Et ma mère m'a raconté, il n'y a pas très très longtemps, mais à quel point elle était écœurée, parce qu'elle croise des gens dans la rue qui disent « Ah, mais c'est marrant, mais il avait le même tailleur l'autre jour à la télé, ton fils !» Et elle osait plus les mettre après. Ce qui est amusant, c'est que ça marche assez rapidement. Et donc, ça fait quasiment un scandale. Je crois que le CSA s'en mêle. Oui, mais parce qu'on faisait 10 heures d'antenne par semaine, 10 heures de direct pour une équipe de 20 personnes. C'est pas... Vous qui faites de la télé, c'est pas gérable. Donc forcément, moi, je pouvais pas tout contrôler. C'est qu'on avait une rubrique qui s'appelait le hit de la douche, où les gens devaient nous envoyer des chansons en train de chanter sous la douche. Ouais. Et sauf qu'un jour, on a reçu une vidéo, enfin, on l'a pas reçue, on l'a diffusée sans que moi, je puisse la vérifier, de deux gamines de 14 ans qui chantaient sous la douche avec juste des petites marguerites sur les tétons. Et moi, j'ai dit, on peut pas passer ça. Et je l'ai dit en direct. J'ai dit, excusez-moi, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vérifié ce truc-là. Et c'est ça, penser que j'étais pas sincère, alors que si, je l'étais, quoi. J'étais pas du tout au courant. D'accord. Au début, la direction d'M6 regardait pas l'émission, parce qu'ils s'en foutaient un petit peu. Et quand ça a fait de l'audience, tout d'un coup, ils ont fait « Oh là là, c'est trop bien !» Alors moi, je pensais pas à ça. Ce que oui, je, oh, je me doute. Moi, je préfère parler des trucs qui sont pas en train de vous dire en haut. D'accord, bien sûr. Non, c'était la chaîne vous reproche un humour trop scato. Oui, oui, c'est non, mais ils ont pas véritablement pu me le reprocher. C'est-à-dire que quand ils se sont rendus compte que ça leur plaisait pas, c'était trop tard. On avait multiplié l'audience par 6. Tu peux rien faire. En fait, il y avait un best-of qui était diffusé l'après-midi, et c'est là-dessus que la chaîne tombait. Et ils étaient en pleine réunion, et c'est vrai que ça leur a fait bizarre de voir des culs à 16h30 l'après-midi. Voilà, c'est que la chaîne découvre effectivement, on dit la chaîne, parce qu'il y avait des best-of l'après-midi, et en réunion, sur les écrans, les gens voient des fesses. En plein conseil d'administration, il y avait nos trois fesses qui se baladaient. Ils arrivaient au bureau vers 9h30, 10h, donc nous, c'était déjà terminé. Et après, on s'est mis à faire deux montages, un pour la chaîne et un pour nous, qu'on diffusait le matin. Et on me dit qu'effectivement, parce qu'après la chaîne a voulu valider les choses, elle a voulu proposer des faux montages. C'était le système des deux cassettes. La cassette qu'on vous montre et la cassette qu'on diffuse. D'accord. Mais c'est terrible quand t'analyses ça. C'est-à-dire que j'aurais pu, si j'avais été un terroriste, si j'avais été un malade, j'aurais pu passer des trucs dangereux. Et toi en train de t'arracher les poils, par exemple, une vidéo. Par exemple. Des trucs effrayants, quoi. Donc en fait, ce que je voudrais comprendre, c'est qu'on a le sentiment, vu de l'extérieur, qu'il n'y avait pas de limite dans vos délires. Notre limite, c'était est-ce que nous, ça nous fait marrer. Mais est-ce qu'il y avait des victimes de vos pitreries?
Ouais, il y en a eu quelques-unes. Pas énorme, mais il y en a eu... Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel, on dit. Oui, on lui a fait un coup, c'est effectivement, bien. Et il s'est vengé plus tard. C'est-à-dire qu'il faisait un reportage sur nous et on lui a fait un traquenard, on a bloqué sa voiture qu'on a pourrie avec des œufs, de la farine, de la peinture. On a aussi attaché quelqu'un à un arbre qu'on a laissé plusieurs heures. Qu'on a laissé pourrir, il avait dit. Ouais, qu'on a laissé plusieurs heures. Il y a des mecs qu'on a débusqués au bois de Boulogne qui allaient se taper des travestis ou des mecs qui sortaient des sex shops. On a fait des trucs. Sur le moment, je trouvais ça drôle. Et aujourd'hui, si je voyais les mecs en face de moi, je leur dirais pas que j'ai honte, mais je leur dirais je regrette. Je voulais pas vous faire du mal. Je voulais juste faire marrer les gens. Et une fois, on voulait aller fêter les 80 ans du Parti communiste. Et ils nous ont enfermés dans leurs locaux avec des gros vigiles bien méchants. Mais ça m'a appris des choses. Je pense qu'aujourd'hui, pour un bon mot, je suis pas prêt à froisser quelqu'un ni à faire du mal à une communauté, par exemple. D'accord. Ouais, mais marrez-vous. Et bizarrement, le sketch le plus dangereux du Morning Live, c'était un sketch où on libérait des tomates. La libération des tomates, on dit. Ouais, ça a été un des moments les plus violents du Morning Live. On est entré dans un hypermarché, je voulais libérer les tomates. J'aime pas les voir comme ça dans des cageots tout enfermées, les unes contre les autres, mais c'est terrible comme image. Ouais. Donc je les prenais, j'allais vers la caisse et je faisais « Libérez les tomates !» Et je les envoyais comme ça pour qu'elles sortent du supermarché. Et à la fin, j'ai piqué une grosse cagette de tomates et j'ai fait « Non, les tomates sont libres comme moi !» Et je me suis mis à courir dans le supermarché, à m'enfuir avec les tomates. Sauf que la sécu nous a poursuivis. Je me suis enfermé dans la voiture en sortant du supermarché avec le caméraman. Et là, ils ont sorti les matraques télescopiques. Ils ont défoncé la voiture. On a été obligé d'appeler la police tellement on avait peur. C'est que les mecs, c'était « Les gars, vous, à côté, vous êtes des bisounours !» Non, mais c'était des Dolph Lundgren, quoi. Les gars, ils ont... Mais ça ne pas qu'ils te reconnaissent. Ça devait t'aider à pas être massacré. Non, mais c'était ma seule arme, c'était la caméra. Je prenais la caméra, je la braquais sur leur gueule. Je fais « Filme, filme, là, je l'ai ta gueule, vas-y, tape-moi, je l'ai ta gueule !» Ah ouais, ça, c'est quand même incroyable qu'ils... Ah ouais, mais... Et puis la pire de toutes les fois, c'est quand j'ai eu un flingue sur la tempe, quoi. Alors, oui, on a réveillé Madame Voisin. On va pour réveiller Madame Voisin. On va pour réveiller Madame Voisin. On s'est dit Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins. Bon, et on va bien trouver quelqu'un qui s'appelle Voisin, donc on en trouve une. Et malheureusement, c'est une petite dame de 85 ans. On entre dans son appartement, on hurle. Elle a super peur, elle pense qu'on va la séquestrer, je sais pas. Donc elle hurle, et là, le gardien de l'immeuble prend peur. C'était un ancien flic, soi-disant. Et le gars, il sort un pétard, il me le met sur la tempe, et il me dit « Si tu gueules encore une fois, je te tire une balle dans la tête, moi. » Et donc le réflexe de Mickaël à ce moment-là, ce qui est très bizarre sur les images, c'est qu'il dit « tourne au caméraman ». Ouais. Je me disais « quitte ». Il faut une trace. Mais non, mais c'est pas « il faut une trace », c'est que c'est des images en même temps horribles et magnifiques. Quoi. Non, mais c'est ça la télé, c'est de saisir des moments complètement étranges comme ça. Et à aucun moment, je pense qu'il va tirer. À aucun moment. Il a quand même failli tuer un chroniqueur. Hein. Vous avez failli tuer un chroniqueur. Il y en a un à qui j'ai cassé plusieurs côtes, Frédéric Maillet. Si tu nous regardes, tu t'embrasses pour bouchon. Lucas. Non, mais c'était son anniversaire. Que j'ai failli en tuer deux. C'est ça qu'on veut dire. Parce que Frédéric Maillet, on me dit c'est son anniversaire, donc on me donne un gâteau. Donc moi, on me donne un gâteau, qu'est-ce que je fais? Je lui mets dans la gueule. Sauf qu'en fait, c'était des faux gâteaux. Tu sais, les gâteaux de télévision, c'est pas des vrais. Moi, je crois que c'était un vrai, donc il était en bois à l'intérieur. Et je lui ai écrasé sur la tête, il s'est tassé les côtes, il s'en est cassé plusieurs. Et puis, il y avait Lucas, qui était un chroniqueur, et je l'avais surnommé Lucascade. Donc je lui demandais à chaque fin de chronique de nous faire une cascade. Et là, il monte sur son tabouret, qui était à peu près cette hauteur-là. Il a aidé à lui faire la cascade. Le sale gosse, quoi, j'ai poussé le tabouret. Et il est tombé d'un mètre vingt. Sur la table. Un petit peu mal. Sur la table. Très mal. Ouais, il était payé. Lucas, je t'embrasse aussi. Et d'ailleurs, depuis, il travaille à France Télévisions. Non, mais véridique. Il est juste réfugié. Ah oui, non, il a dit non, moi, M6, j'arrête. Dominique Chapat, t'as eu un bras cassé à cause de vous, oh là, quel drame. C'est-à-dire M6 me demande, il m'avait demandé l'année d'avant de préparer la conférence de rentrée. C'est-à-dire que c'est la conférence qui présente à tous les médias et à toutes les chaînes qu'est-ce que M6 va faire cette année. C'est pour les 15 ans en plus. C'était pour les 15 ans. Il me dit, tu vas faire des caméras cachées. Et donc, l'objectif, c'était voler la voiture de Dominique Chapat. Dominique Chapat, il n'y a pas un mec sur Terre qui aime plus sa bagnole que Dominique Chapat. Il les tient plus qu'à sa femme, le pauvre. Je dis ça.
Je vais m'excuser d'ici la fin de ce que je vous raconte. Et donc, jusqu'à je suis habillé en policier. Même. Monsieur, vous voyez, vous garez sur le côté, etc. Vous sortez de la voiture, présentez-moi les papiers d'identité. On était avec un autre policier qui fait semblant de contrôler les papiers. Et moi, je me rue dans sa voiture. Je démarre, j'accélère. Sauf que là, lui, sa voiture, c'est toute sa vie. Il s'accroche à la fenêtre qui était ouverte. Et il avait des semelles crêpes. Il ne veut pas lâcher. Non, moi je me dis, il va finir par lâcher, il préfère quand même la vie à sa voiture. Moi je suis dans ma caméra cachée, mais j'oublie tout, je veux réussir le truc, donc moi je mets un coup de patin et il reste accroché, sauf que au lieu d'avoir des semelles en cuir, il a des semelles gomme, il reste accroché un petit peu à la route et là, il s'explose par terre, il se démolit vous êtes, complètement. Vous êtes déjà excusé auprès de ces gens? Auprès de Dominique Chapatte, oui, je me suis excusé. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà essayé de se venger? T'aurais aimé qu'il te fasse ça, franchement Qu'est-ce qu'il est fort Personne ne me touche. Il faut prendre quelqu'un qui a le palais. Non, non, mais, ouais. je sais depuis le temps que vous avez posé ça. Non, mais je suis sûr que c'est vide. Il aurait pas fait ça. Mon amour. D'accord. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, on s'en fout. Asseyez-vous, témoignage peut-être. Oui. Il a changé Dominique Chapatte. Hein. Bah, s'il vous plaît. Qui a raté la surprise? Non, asseyez-vous. Effectivement, il a raison, Maïloire. Tu l'as dit une demi-seconde trop tôt. Je suis un dingue de ça, moi. T'es Il y a des centaines de gens qui veulent se venger. Il y en a qui ont réussi ou pas? Oui, je pense que ça a dû. Pour la petite histoire, on n'a jamais réussi à il avait juste envie d'aller aux toilettes. Non, Magloire, je vais faire pire. Si vous avez envie d'aller aux toilettes, allez-y 15 secondes. Parce que sinon. Hein? Non, pas vous, pas dans ça. Magloire, juste expliquez-nous. Qu'est-ce qui vous a fait pire? Magloire, qu'est-ce qui vous a fait pour que vous ayez envie de vous tomates. C'est la cuisine de tomates. C'est-à-dire? Pour la dernière de l'émission, on avait pris une énorme piscine d'enfants qu'on avait remplie de sauce tomate. À l'époque, je voulais rentrer dedans. C'est-à-dire? J'avais 100 kilos de moins. Alors? Et non, le but, c'est que nous, on avait envie de terminer l'émission sur un. Ouais. Mais non, mais vous me faites peur! Non, vous lui faites très peur! Magloire, c'est la vengeance, c'est maintenant, il est où le saut? Je veux bien, mais. On m'a dit que c'était du stream, ça s'enlève. Vous plaisantez ou quoi? C'est de l'œuf? Mais non. Si, c'est de l'œuf. Ils ont mis de l'œuf? Mais vous plaisantez ou quoi? Mais non, on m'a dit que c'était du stream. C'est combien il coûte ce costard? On m'a dit que c'était du stream. Je t'avais dit que t'aurais des émotions toi aussi, tu m'as pas cru. Catherine, tu sais combien ça coûte ce costume? Mais on m'a dit. Mais cette chemise et ce pantalon? Mais Magloire, qu'est-ce qui vous a fait pour que vous ayez envie de vous venger? Non, pas moi maintenant, Thierry, non. Comment est-ce que tu veux que je termine l'émission? Non, c'est du stream, ça s'enlève. Miguel, finissez l'interview qu'on comprenne. Magloire, qu'est-ce qui vous a fait? Je suis tombé dans cette bassine, donc cette piscine de tomates. Piscine de tomates. Sauf que personne ne savait. Est-ce qu'il s'est excusé? Parce que là, il attend des excuses non, de ma part. Il s'est pas excusé. Le problème, c'est que dans cette piscine, notre rédacteur en chef avait vomi. Et peu de gens le savaient. Nous, c'est du vomi. Nous, c'est du slim. Non, vous, c'est de la sauce tomate avec du vomi. Non, mais attends, le vomi, c'était pas fait exprès. C'était pas notre faute. C'est que notre rédacteur en chef, en tombant dans la sauce tomate, avait vomi. Moi, je ne le savais pas. Tu ne le savais pas? Mais non, je l'ai découvert. Non, mais j'ai découvert qu'après. Oui, bien sûr. Sincèrement, mais vous êtes. Arrêtez de faire semblant d'être choqué, personne ne vous croit. Je suis choqué, personne ne vous croit. Je suis devenu un bourgeois.
C'est ça, vous voulez dire que vous avez changé, d'accord. C'est vrai qu'il prendra en soin de ses vêtements. Non mais regarde, de quoi j'ai l'air. Je suis à la télévision nationale, on n'est pas encore sur la TNT, sur France 2, merde. Qu'est-ce qu'il vous a dit à l'époque quand vous avez fait ça? Il s'est excusé. Du tout, ça faisait partie du truc, il m'a fait beaucoup souffrir. Non mais c'est pas... Il m'a fait, tout le monde sait qu'il m'a fait souffrir. Oh si. Mais j'ai tellement aimé ça, j'en demandais. C'est vrai? Ben oui. Mais oui. Bah oui, c'est victime consentante, en fait. On faisait un numéro de duettiste. Oui, il y avait Madame Cocheteux, souviens-toi, Madame Cocheteux. Moi, j'embêtais Magloire, et puis Magloire, elle faisait semblant d'être choquée aussi. C'était ça qui nous amusait, parce que Magloire fait super bien... Le garçon. Oui, mais c'est pas dit le contraire, il fait super bien... Le garçon choqué. Le vieux garçon choqué. C'est-à-dire, ça fait quoi, le vieux garçon choqué? Sa spécialité, c'était un jeu. En fait. Bien sûr que c'était un jeu. Est-ce que je peux dédier cette vengeance à tous ceux qui étaient vos victimes ou pas? Oui, mais tu peux surtout la dédier à mon teinturier, à mon ami. Là, il y en a pour une blinde. Hein, tu sais, je ne vais pas vous mentir, c'est du Yves Saint-Laurent, ça va arracher le plateau. Hein. Bon, est-ce qu'il a le sens de l'autodérision? La dérision, on a combien? L'autodérision, il est là ou pas? Oui. Tout le monde le sait. J'ai l'impression qu'il le prend moyen, mais j'arrive pas à savoir. Attendez, Magloire, juste à vous. Je suis pas là. Magloire, oui. Pour ceux qui vous aiment quand même, on peut dire qu'on vous voit où? Sur Énergie 12, tout l'été. Oui, tout l'été. D'accord. Oui. Du 27 juin au 3 juillet à 17h45. Tu fais mal. Oh là là, je vais là, c'est qui partout. Les gars, restez ici. Ne me fais pas tomber. Je suis une vieille. Non, Mickaël. Qu'il allait se venger. Vite, faites la promo, vite fait. S'il vous plaît, Magloire, vite avant qu'il se venge. C'est une télévision absolument formidable. Oui. Le 25 juin, et je commence objectif à rendre, je dois perdre 40 kilos. Oui. Et comme vous le constatez, il y a du travail. Merci, voilà, monsieur, merci. Salut. Merci, Magloire. La grande porte. La grande porte. Vous pouvez pas passer par là. Voilà. Le lycée. Attention, ne glissez pas. Mesdames, messieurs, Magloire. Au revoir. Je crois que je me suis cassé le bras. Non, arrêtez. Je crois que je me suis cassé le bras. Mais ouais. J'ai super mal. On a fait exprès pour me faire peur. Lui qui aime le foot, ça lui fait un point commun avec Didier Drogba. Hein. Toi-même? Si. Je me suis cassé le bras. Bon, c'est pas grave, hein, j'en ai deux. Hein, c'est ça qui compte. Ah là, les aventures. Alors, Evangélie. Heureusement, je suis en noir, ça doit pas se voir. Non, ça se voit pas. En gros plan, ça ne se voit pas. Le sang non plus, ça se voit pas. Et Mickaël, oui. C'est un style d'humour que j'aime pas en plus. Tu vas morfler. Oui. Ok. Et je te préviens, tu vas prendre, que ce soit à l'antenne ou hors antenne, tu vas prendre. Je vous l'avais dit. Tu vas prendre. Il est rancunier pour ce genre de truc. On me confirme que vous êtes rancunier. Non, mais c'est même pas que je suis rancunier, mais moi je suis un ténia, mec. Mais tu me connais pas. Je vais te suivre, je vais trouver où t'habites. Je pense qu'il va dormir avec toi, Fred, ce soir. Il faut que tu changes tes serrures. Je vais faire caca sur ta voiture. Bravo. Dans ton casque. Bon, je vais faire une association. Dans ton oreillette. Et j'aurais mangé chinois. Mauvais chinois. On applaudit très fort, mais j'essaie de... Alors, Eve, on a parlé donc des rêves de l'enfance. Ensuite, vous devenez chanteuse, vous réalisez votre rêve. Un creux dans la vague, etc. L'espèce de creux dans votre carrière. Et la télé-réalité qui crée vos concurrentes et dont vous décidez de profiter. Vous décidez de profiter du système, oui. D'accord. Et vous allez dans la ferme. Voilà. Et au début, cette expérience n'est pas... L'expérience n'est pas quelque chose que vous aimez. Pour vous, c'est une petite souffrance au début, la ferme des célébrités. Vous êtes enfermée. Ah oui, mais pendant 8 semaines, en fait, ça a duré 10 semaines. Pendant 8 semaines, c'était une souffrance. Les premiers jours, elle pleurait vraiment, vraiment beaucoup. Bah, c'est-à-dire qu'on est quand même enfermée. Moi, j'adore ma liberté. Déjà, je ne voulais pas y aller. Pourquoi vous le faites quand même? C'est mes proches qui m'ont encouragée, parce que c'est vrai que j'étais dans le creux de la vague. À la fois, je ne voulais pas disparaître non plus totalement noyée sous la vague. Ouais. Donc, j'ai dit, on va peut-être surfer un petit peu au-dessus grâce à cette émission. Mais au début, comment ça se passe? Vous vivez mal, pourquoi? Pour tout. Déjà, l'enfermement. Être avec des gens, je dois dire la vérité, que franchement, j'aurais pas choisi pour passer 2 heures. Alors, pour passer 10 semaines, c'était vraiment... Après, j'ai appris à en connaître certains qui étaient plus cool. D'accord. Que je revois encore. Mais globalement, c'était un panier de crabes, faut dire la vérité. Hein. D'accord. Donc c'était ça le plus dur. C'était pas les animaux, le travail à la ferme, ça, j'adore.
je suis comme ça, moi je suis de la campagne, mais les humains du showbiz. Et l'image, ça se voyait qu'elle aimait les animaux parce que c'est elle qui s'occupait des cochons. Vous voyez que vous occupiez des cochons en fait, hein, en vrai. Ah, de tout le monde, bon, mais le public a dû aimer ça. On pensait souvent c'était une pouffe blonde ou quelqu'un abruti, quelqu'un vraiment... Mais cette image d'idiote, en fait, il y a des gens dans la ferme qui ont essayé de la faire courir, qui sont responsables de ça, avant que vous puissiez rebondir là-dessus. Bien sûr, ben, moi j'étais victime au départ de l'image qu'on m'a collée, et c'est vrai que c'était avant tout mes colocs, si on peut dire, qui me l'ont collée. Vos concurrents, c'est comme ça, vos concurrents. Quelque part, oui, on était tous en concurrence finalement, ouais. C'est vrai. Moi, j'étais pas du tout, parce que je joue pas des coudes, ouais. Je crois en ma bonne étoile, je n'ai pas besoin d'écraser les autres. Et c'est vrai que souvent les autres avaient tendance à s'écraser les uns entre les autres. Ouais. Et moi, voilà, ils m'ont fait passer pour la grosse nunuche, ils ont essayé de me rabaisser du début à la fin. Ouais. On s'est beaucoup moqué de Eve et elle a fait un test de QI pour se rassurer. Donc, il faudra lui demander combien elle a. Mais est-ce qu'on fait passer pour une idiote, est-ce que ça vous fait douter? Est-ce que vous vous demandez si vous êtes idiote? Non. Vous avez dit en interview, j'ai fait un test de QI. Après coup, moi, c'est quand je suis sortie que j'ai commencé à douter. Dedans... Quand je suis sortie, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment bête? Mais quel est l'intérêt de savoir si... Enfin, c'est, déjà, ça veut rien dire, l'intelligence, bah, mais c'était quoi? Pour le rétorquer, pour dire, mais attendez, je suis pas bête, j'ai fait un test. Oui, mais le test, tu l'as fait que pour toi, t'as pas publié les résultats. Pas les résultats, mais j'ai dit, après, j'ai 114 de QI. 114, ah, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas mal, ils m'ont dit que j'étais au-dessus de la moyenne. C'est pas 140. La moyenne, c'est 94 pour les Français, c'est ça? C'est pour ça, ouais, je suis au-dessus de la moyenne. Donc, voilà, on l'applaudit parce que du coup, c'est important pour ceux qui resteraient encore dans le premier degré. Elle est vraiment loin d'être idiote. La seule chose qu'elle aime, elle comprend pas, c'est vraiment les blagues. Donc on nous confirme que vous êtes très intelligente, que vous êtes loin d'être idiote. Quand il y a un pas, seul truc, il y a un seul truc que vous ne comprenez pas, paraît-il. Ah oui. C'est les blagues. Je suis très mauvaise cliente. Moi, je suis contente de ne pas être mon public pour le One Woman, parce que je rigolerai à rien. Le temps que je comprenne, c'est fini, quoi. Je vais passer à autre chose. Il n'y a que Michael Youn, j'adore son humour. Donc ça. Je le comprends. C'est nous, d'un coup, d'un seul, je ne sais pas si c'est un compliment, en fait. C'est un humour j'adore parce que je comprends de suite. Hein. Vraiment, je n'ai pas le besoin de réfléchir, j'ai compris, je ris. Alors, Michael, à moins que vous en ayez une ou deux, comme ça. C'est de l'humour populaire. On vous en a eu plusieurs pour en choisir une ou deux pour vérifier si Eve comprend les blagues. Et si vous les comprenez, vous nous expliquez les blagues. Qu'est-ce qui a quatre pattes et un bras? Un homme? Un pitbull dans un jardin d'enfants. J'ai compris. Vous avez compris? Ah oui, malheureusement. C'est-à-dire? Bah, le pitbull, il a bouffé le gamin. Elle a compris la blague, on l'applaudit. Là, quand même. Bah, au départ, je ne savais pas. Qu'est-ce que fait un poussin de 300 kilos? Il s'appelle Magloire? Non. Il joue avec, il fait une émission dessus, je peux jouer aussi. Hein. Il fait cui-cui. Là, j'ai pas compris. C'était quoi le nom? Qu'est-ce que fait un poussin de 300 kilos? Cui, cui. Ça, il fait mal. Cui, cui. Plus fort qu'un petit cousin. Bah parce qu'il pèse 300 kilos. C'est nul. Bon, Michael. Oui. On a parlé effectivement de toute votre période de la télévision, etc. Et puis il y a eu la suite. Et c'est la là, suite, personne ne pouvait l'imaginer. Frédéric, là, il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, vous animez... vous animez donc l'émission consacrée au cinéma sur France 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? La chaîne décide de ne plus du tout s'intéresser au cinéma. Donc vous vous retrouvez, une main devant, une main derrière. Vous vous retrouvez... Vous laissez pas faire. Et là, et c'est là que vous vous dites... Et c'est là. Et c'est là que vous avez envie de partir à l'autre bout du monde. T'as vu ça? Ouais. Ça, c'est Vincent. Ah bon? Le sien. Oh! C'est ça? Non, mais il a personne dans l'oreillette, là. Il a... non, mais... Il a pas d'oreillette. Il sent que c'est Vincent qui lui parle, de Sania. Dis, fais des paris, qui c'est qui a la Oda pour toi? Non, pas maintenant, pas maintenant. Et complètement taré. Mais vous fond. Aussi. T'as pas compris, j'étais en train de... Et si, mais quand même, tu te demandes qui a la O, quand même. Qui a la O? Vas-y, dis-moi. Ok. Pour toi, hein, pas pour Eva, moi. Eva, arrête, j'ai déjà mal à la Michael, tête. Michael, hein. Michael. Déjà, oh, je suis tout crotté de partout. Je me suis cassé le bras. Alors, s'il te plaît, ne tu me casse pas la tête. Bon, Miguel, personne, oui. Personne ne peut imaginer la suite. Personne ne pouvait imaginer qu'est-ce la suite. Qu'est-ce qui se passe après, Frédéric? Après la télévision, il y a la scène, on l'a dit tout à l'heure. C'est peut-être difficile à vivre, mais enfin, c'est un succès. Il y a les films au cinéma, entre 2 et 3 millions de spectateurs. Il faut savoir que sur 150 films qui sortent en France, chaque année, il y en a à peine une quinzaine, même pas 10 qui font 1 million. Ou à chaque fois 2 millions, 3 millions de succès. Des clips, vous avez inventé un genre, c'est-à-dire des clips extrêmement pointus, on va le dire, en termes de réalisation, de composition, etc. Ça cartonne aussi. Et comment on peut imaginer vendre 1 million et demi de Kourou Koukous Tache Tache? Il faut être taré. Tu l'imagines pas. 1 million et demi de
coucou, coucou, stache, stache. Même dans les paris les plus fous, c'est impossible, imaginez. C'est, mais on y croit toujours pas, d'ailleurs. C'est une blague, cette chanson. On n'y a pas cru. Nous-mêmes, on ne voulait pas la sortir. On se disait, mais tout, on va en vendre 60 juste pour notre famille. Et encore, on a des familles nombreuses. On a une grande famille. Tu t'en fous, mais mon neveu, il a appris à danser sur ta chorégraphie. Dans le salon, il avait 3 ans, il faisait... Le je te jure, tous les gamins... Depuis, il est devenu... Pas danseuse étoile, malheureusement. C'est très gênant d'entendre ces rires. On ne sait jamais si c'est pour nous ou pas. Et là, je me disais, il n'y avait rien de marrant. Non, c'était pas pour nous. Bon, en tout cas, voilà. C'est ce genre que vous avez inventé, un genre à vous tout seul, avec vos potes. Et vous faites ça. Il y a eu combien de millions? 14 millions de vues sur Internet pour un clip? Ouais, de par la maman. 14 millions de vues. C'est le record de YouTube, ouais. C'est la vidéo la plus vue sur YouTube. En France? Ouais. Ah, trop bien. Juste après, comment ça s'appelle? Suzanne Boyle. Ouais. Donc, vous êtes après Suzanne Boyle. Voilà, d'accord. Donc, donc il y a des gens en Australie, en Argentine, qui regardent Par la maman et qui font « Ah, me gusta, me encanta mucho, ay, como te llama, habla con mi mano. » Bon, en tout cas, on va regarder un clip qui est issu du film qui est sorti aujourd'hui, Fatal. Regardez, vous allez voir pourquoi ça marche. Toujours en rut, une question me tue en lutte. Pourquoi attendre le samedi pour faire le party party? Sans être au VIP la nuit, tous les chasseurs en pop. Shop like on the average, je peux BM, même à ma mère. RTV boulangerie, 10h du matin, c'est parti pour le party. Mais bon, ce matin va être une pure soirée. C'est un peu une phrase que je sais pas, dirait sans doute beaucoup d'humoristes. Moi, j'essaye avant tout de m'amuser. Je me dis, si je m'amuse, ça amusera sans doute les gens. Je fais toujours, je pense toujours au public. Voilà. Bon, en tout cas, effectivement, ces chansons qui étaient des parodies de rappeurs ont été même saluées par les rappeurs eux-mêmes. Faut le dire. Pas partout, ça. Pas partout, mais certains. Non, mais il y en a 2-3, ils ont pas très bien aimé. Qui venaient en bas de chez moi avec des seaux remplis de slim, là. Alors, on a une explication pour le slim, c'est qu'en fait, on avait essayé en répétition, c'était tout ce qu'on avait trouvé qui s'enlevait tout de suite. Ouais. En fait, il a chauffé dans les coulisses. Ah. Mais il y avait du jaune d'œuf avec, hein. Ah, ouais. Même pas. Mais non, mais c'est fait à base de jaune d'œuf, le slim. Le truc, c'est que donc, ça a chauffé. Ouais. Bah, tu vois, moi, bah, je suis en train de chauffer. Bon, la question c'est, est-ce que le rap c'est vraiment son style de musique et tout? Parce qu'on sent que c'est pointu, on sent qu'il y a des références. En vrai, il aime les trucs ringards des années 80. Non, ce qui est important, c'est qu'effectivement, moi je suis très impressionné parce que ce sont des parodies, mais c'est très... Je cherche le mot français sans dire de mot familier. Quand vous dites chiadé en français... Ouais, c'est bien foutu. C'est pas un mot français, c'est un mot quoi, ça? Chiadé. C'est un peu familier, en chiadé, tout cas. C'est une chanteuse. Ça n'est pas une chanteuse, contrairement à ce qu'on vient de me dire là-haut. Chade. On peut pas dire chiadé sur France 2. Bon, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très pointu. On pourrait dire, ce garçon a plein de références, de rap, de choses comme ça. Et en vérité, les vrais goûts musicaux de Michael. Bonnie Tyler. Je suis assez éclectique. Bonnie Tyler, on me dit. Oui, mais j'aime tout. J'aime aussi ce qui se fait aujourd'hui. Mais à quel point il aime Robbie Tyler? Pas Robbie Tyler. À quel point il aime Bonnie Tyler? Bah, je l'ai mis dans mon film. À ce point-là, quoi. Ouais. Voilà. Comme je l'ai synchronisé, dans Fatal. Vous connaissez les paroles par cœur. Turn around. Est-ce que vous voulez un petit coup de main ou pas? C'est vous qui décidez. On met la musique. La version française. On n'envoie pas les paroles. Plus si je peux vous dire. On met la musique. Est-ce que vous voulez une perruque pour vous aider ou pas? Non, ça va aller. Ok. On va arrêter les vitreries. On va arrêter les perruques. On envoie la musique. Vous nous dites si vous voulez les paroles ou pas ou si vous improvisez. Putain. Ce qui paraît que c'est vrai goût musicaux. C'est parti pour la musique. Prêt le public, on lève. Turn around. Je suis parti trop tôt. Ouais. Turn around. Every now and then I get a balloon and when they see me coming right around. Oh, il a fait allemand première langue. Every now I get a libertine and my side is a pain and get a money in my teeth. Even though I get the liver never so bad. C'est bien Robbie Tyler. C'est Bonnie Tyler à 3 grammes. Vous savez pas quel chiffre vous lui faites là.
Il y a Bonnie Tyler qui a appelé, elle veut que tu l'enlèves du film finalement, elle est plus du tout d'accord. Miguel Youn, messieurs! Son vrai rêve, ça, il aurait aimé être une rockstar, Amika. Là où on m'a dit, voilà, on l'a vu, il avait envie d'être rockstar, parce que c'était vraiment un clip. On m'a dit que ça vous avait fait plaisir. J'étais dedans, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur morceau pour exprimer sa rockstar attitude. Bon, Bonnie Tyler, c'est une chanson triste, quoi. Ah, je vais prendre le 50-50. Alors, Eve, on a parlé, c'était d'ailleurs une de ses premières répliques de la soirée, il a parlé des évangélismes, je crois que c'est Emmanuel de Brandt qui a parlé de ça. Oui. Bon, il y a les aphorismes de Oscar Wilde, et puis il y a les vôtres, des réflexions sur la vie, réflexions sur la vie, sur le monde, ouais. Et tout. Et c'est vrai qu'on se demande toujours si c'est des choses qui sont réfléchies, des blagues, etc., ou c'est spontané. Ah oui. C'est oui, depuis oui. toujours dans votre vie, ça. Oui, parce qu'à l'école, on se moquait de moi déjà, parce que je réfléchissais pas avant de parler, ouais. comme toujours, et j'étais spontanée. Eve, en fait, elle pose des questions tout le temps, comme les enfants, et un jour, elle m'a dit « Qu'est-ce que font les lions la nuit, vu qu'ils dorment 17 heures par jour ?» Parce qu'elle avait vu ça dans un zoo sur un panneau. C'est vrai que, donc là, c'est une chose vraie, qu'un jour, vous avez vu sur un panneau que les lions dormaient 12 heures, non, 17 heures. Alors, ça expliquait toute la vie des lions, ouais. et les lions dorment 20 heures par jour. 15 oui. heures par jour. Et je me suis dit, mais attends, mais ils font quoi la nuit? Et vraiment, je le D'accord. pensais, quoi. Puis après, voilà, j'ai compris. Bon. Il y en a plein. Moi, il y en a un que je voudrais dire, c'est qu'un qui a beaucoup fait rire les gens quand vous l'avez dit, mais Al Gore a confirmé que vous ne disiez pas n'importe quoi. Ah, ça, c'est vrai. Elle disait, quand les arbres perdent leurs feuilles en hiver, on devrait manquer d'oxygène. Tout le monde a ri. Mm-hmm. Et Al Gore a expliqué, effectivement, qu'il y a moins d'oxygène dans l'hémisphère nord en hiver, parce qu'il y a moins de feuilles, et donc c'est compensé par l'hémisphère sud. C'est-à-dire que Al Gore connaît Eve. On fait des discussions le soir philosophiques. Alors, je propose un petit jeu avant les révélations. On va voir s'afficher des phrases. Des fois, elles seront d'Evangeli, des fois, elles seront de Jean-Claude Van Damme. Vous devez deviner si c'est Evangeli ou Jean-Claude Van Damme. Et ensuite, soit c'est vous, vous nous expliquez ce que vous avez voulu dire. D'accord. Et si c'est Jean-Claude Van Damme, avec un peu de compassion, vous allez traduire Jean-Claude Van Damme pour le grand public. Oui, tu essayes de nous faire comprendre ce qu'il a essayé de nous dire. Alors, on essaie une première phrase. Une première phrase. Il n'y a pas de petit pas pour l'humanité. Eve. Je pense que c'est de toi, mais alors qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Ouais. Bravo. Evangeli. Vous vouliez dire quoi? Rien. Alors continue, deuxième phrase. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. Non, ça doit être Jean-Claude Van Damme. Ça sent plus la drogue. Alors, la réponse? Incollable. C'est qui? Oui, yeah. Jean-Claude Van Damme. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'il a voulu dire? Non, mais là... Non. Il y a des fois où il a raison, parce ouais. que des fois j'aime bien sa philosophie de dire pourquoi 1 plus 1 ne sont pas 11 au lieu de 2. Ça veut dire qu'il est anarchiste, pourquoi pas. Moi ouais. j'aime bien, il est rebelle. Mais là il était comme il dit, il était sous des effets bizarres. Allez, une autre phrase. Là, est-ce que c'est Evangeli ou Jean-Claude Van Damme? Tu bois un verre et tu en as marre du goût. Alors tu manges une cacahuète et après tu as de nouveau envie de boire un coup. Les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. Qui a dit ça, Michael? Mais je sais pas si tu manges des cacahuètes. T'as pas une tête à manger pas des cacahuètes. Pas d'indice. Mais en même temps, c'est suffisant. C'est long. C'est le style d'Eve. Je dirais Eve. Regarde. Mauvaise réponse. Ah allez. Encore. Parce que d'un autre côté, tu bois un verre et tu en as marre du goût. Alors tu manges cacahuètes et après, tu as de nouveau envie de boire un coup. Les cacahuètes, c'est un peu le movement. Ouais, c'est vrai. Jean-Claude. Voilà. Maintenant, ça marche. Ah, ouais, ça marche mieux. Allez, encore. J'aurais dû le faire avec le ton. Les gens sont tous tristes. Si tu vas dans leur sens, ça leur fait plaisir. Ils sont... Les gens... Attends, j'essaye de... Wow, j'ai l'impression d'avoir des trucs devant les yeux. Open your mind. Et les gens sont tous tristes. Si tu vas dans leur sens, ça leur fait plaisir. Ils sont heureux. Qui a dit ça? Evangeli, Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il y a une philosophie? Non, mais je pense que Eve a véritablement la volonté de rendre les gens heureux. Pas les gens seulement qu'elle connaît, mais les autres aussi. Donc je dirais que ça, c'est forcément d'elle. On regarde la réponse. Oh, c'est mignon. C'est magnifique. On va s'arrêter là. Ça se sent que c'est une fille qui a envie de communiquer du bonheur aux gens. Ça se sent. Moi, je la connais pas très voilà. bien. Je la Moi non plus. Et je pense la même chose, donc j'ai envie de l'applaudir parce que c'est ça qu'elle dégage. Et ça fait plaisir. Bon,
On avait encore plein de trucs à se dire, mais il y avait quelqu'un qui voulait vous rendre hommage, mais vraiment un hommage, hein, qui a insisté, parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Je veux parler de lui. On n'a pas pu le recevoir, malheureusement. Il a envie de lutter, parce qu'on a évidemment lutté, en faisant cette jolie remarque, vous luttez contre les préjugés sur Eve, et lui aussi avait envie de lutter contre les préjugés sur vous. Regardez. Mickaël. Moi, j'aime bien. Mickaël. Alors, on m'a demandé de te poser une question, Mickaël. D'abord, je vais parler de notre rencontre. C'est vrai que ça a été une surprise pour moi. On dit beaucoup de choses, hein, beaucoup d'a priori, de préjugés sur Mickaël. Et c'est vrai que Mickaël Youn, c'est quelqu'un de super intelligent. Alors, intelligent, c'est peut-être pas le mot. Malin, futé non plus. Enfin, c'est quelqu'un d'agréable, quoi. C'est quelqu'un voilà, de gentil. Je crois que le mot, c'est gentil, quoi. Et ça se voit dans le film, quoi. C'est un film qui a son image, c'est simple, c'est simplé, quoi. Voilà. Et ce que je voulais te poser comme question, c'est aussi simple, c'est comment tu fais pour être un mec, voilà, un bonnet, quoi, un mec sympa comme ça, mais qui s'en sort dans la vie. Parce que je trouve que c'est une leçon de vie pour tout le monde, c'est dire, avec peu d'aptitude, avec quelques neurones, on peut s'en sortir. Et ça, je trouve ça génial, Mickaël. Bravo à toi. C'est émouvant, hein ? C'est très touchant parce qu'évidemment Fabrice est dans le film et là je sens voilà, qu'il est touché par les raisons pour lesquelles je l'ai choisi pour apparaître dans le film. C'est vrai que c'est un connard. C'est un connard à la radio, c'est un connard à la télé. Et moi tout de suite j'ai eu envie d'avoir un connard dans mon film. Mais je me suis dit qui de mieux que ce gros connard qu'est Fabrice pour l'incarner, quoi. Pour faire partie de cet incroyable casting, moi j'ai découvert des gens dans votre film. Avec une belle brochette de connards. Une belle brochette de connards, on me dit. Ouais. Donc c'est sorti aujourd'hui, Fatal, le film de Mickaël Youn. Voilà. Il y a le connard là-haut, non ? Non, il y a plein de gens. Alors, vous allez devoir deviner qui était là, c'est les révélations. Mais je vous avais promis un cadeau. Son vrai rêve, c'est de se faire diriger par Coppola. Alors moi j'avais envie de réaliser votre rêve ce soir. Et Patrick Coppola. Non, c'est vrai que... Bah, hey, vous avez pas te mentir, c'est raté, hein. Justement, pour me faire pardonner. C'est dégueulasse. Vous avez une carrière assez spectaculaire, c'est-à-dire que le public vous adore, la critique se met à vous découvrir au fur et à mesure des années. La critique sur Fatal a été très très positive, je m'y attendais pas, voilà. Mais on a eu beaucoup d'étoiles. Voilà, donc beaucoup d'étoiles sur le film qui est sorti aujourd'hui. Donc vous dire, un film qui réunit la critique et le public, c'est rare. Donc allez voir Fatal. Et puis moi, je voulais que vous partiez content de cette émission. D'accord. Mais je suis déjà content. Même si je vais te pourrir ta bagnole, je suis déjà content. Je vous fais un petit cadeau. On me dit, son rêve, ça aurait été d'être dirigé par Coppola. Oh la vache. Eh bien regardez, il vous a déjà dirigé, vous étiez dans Le Parrain, hein. Regardez. Mais non. Je cherche un homme qui a des amis haut placés. Je cherche un million de dollars cash. Et quel serait l'intérêt pour ma famille ? Oh non, ça. Ça vous fera en un an, disons, 3 ou 4 millions de dollars. Et quel serait l'intérêt pour Tatalia et sa famille ? Tatalia, on leur part, sur ce qui me revient. Donc je recevrai 30% pour une avance. Pour une assistance juridique, protection politique, c'est bien ça ? C'est bien ça. Pourquoi être venu à moi ? Qu'est-ce qui justifie cette générosité ? Vous considérez un million de dollars cash une simple avance. Je vous félicite encore, Léon. Je vais donner la réplique à Marlon Brando. Mais alors, vous remarquerez que... Même dirigé par Coppola devant Marlon Brando, je joue comme une patate. Quoi. C'était pas votre voix. Par contre, ouais. J'ai pas reconnu les phrases qu'il a enregistrées tout à l'heure, ça a servi à quoi ? Alors ça tombe bien. Pour ceux qui nous rejoignent, tout à l'heure, Mickaël a accepté d'être devant un fond vert, à dire des répliques qu'il ne voulait rien dire, mais comme par hasard, sur le plan labial, c'était le même nombre de syllabes, ça correspondait. Et donc voilà, il se retrouve avec l'acteur qui a doublé, l'acteur qui affrontait Marlon Brando dans Le Parrain. Hein. Voilà, c'était un petit cadeau qu'on voulait vous faire. Petite séquence culte. Allez. Je vous laisse venir avec moi, on va deviner qui était là. Donc je vous remercie d'avoir fait le show ce moi, soir, mais vous n'étiez qu'il pas les seuls. Moi je pense qu'il Francis Ford Coppola, d'accord. Il n'était pas là. Donc vous pensez qu'il y a qui ? Moi je pense qu'il y avait Vincent ! Mais ça c'est le mien ! Non, moi qui suis-je ? Vincent qui vous ? Ah, bah Vincent McDoom. Ouais. Bah Vincent Bezania. Il m'a aidé, hein, Mickaël. D'accord. Il y a forcément un Vincent ce soir. Ouais. Le sien, peut-être. Allez, vous pensez à qui d'autre ? Allez-y. De mon côté, ouais. Michel, mon chéri, puisque j'ai reconnu une anecdote. D'accord. Ouais. Moi, je pense qu'il y avait...
Je pense qu'il y avait Juliette Arnaud. Oh, je l'adore. Non, mais elle était dans mon camp, elle était pas dans le tien. Ben ouais, mais je pense qu'il y avait Juliette, je pense que... Je pense qu'il y avait Benjamin. Il est fort. Il y a eu un moment, j'ai entendu des bruits de pas. Ouais, non. J'ai entendu des bruits de pas de quelqu'un qui marchait, et c'est les bruits de pas de ma chérie, c'était Isabelle. Je l'ai reconnue, et il y a que elle qui marche aussi bien. Mais elles bien. Ont dû se frapper de chérie dans le même, la même bulle. Mais non, elles sont copines. Il arrive à transformer l'amour en amitié, donc si c'est le cas. Donc voilà. Pas mal de gens, et vous? Ah bah à part Michel, Vincent, après bah, peut-être je dis au hasard ma mère ou ouais. Mon père. D'accord. Ma mère ou mon père. Et la quatrième, il y en a quatre, c'est ça? Ouais. Je vois pas du tout, peut-être une copine, mais alors laquelle? J'en ai quand même, hein, finalement. Bon, vous savez quoi? On va les découvrir maintenant. On les découvre, les complices qu'on applaudit très fort. On fait le show toute la soirée. Bon alors, belle photo de famille. Oh ben, ça a bien d'ailleurs, attendez, regardez la caméra là-bas, ouais, celle qui est en rouge, parce que ça, c'est une image, on l'aura pas tous les ans. Okay. Reviens là. Attends, le photographe peut venir en courant, il va faire la photo pendant qu'on se parle. Vite, un souvenir. Roby, là. Donc on applaudit les complices, regardez, c'est les gens qui aiment Michael Youn. Il y a des gens qui l'aiment, ils sont là ce soir. La photo pour elle. Attention. Parce que oui, Michael, il y a des gens qui vous aiment, ils sont là. Ouais, c'est Est-ce que vous pouvez nous dire une phrase sur chacun d'entre eux? C'est parti. C'est la famille, quoi. Ça, c'est ma famille, c'est... Mais je peux pas dire juste une phrase sur eux, je les aime tous. Ça a commencé après-guerre. D'accord. Bon, pour les téléspectateurs, effectivement, on vous a vu ensemble alors, Vincent, à la télévision. Vincent, on s'est rencontrés à la radio et depuis, on a vécu toutes nos aventures ensemble. Il me fait énormément rire. Je le fais un petit peu rire. Mais voilà, je ne m'imagine pas faire un projet sans lui. Benjamin, c'est en même temps mon petit frère et mon grand frère. Ouais. C'est celui qui me surveille et de temps en temps que j'essaye d'épauler. Pareil, on a construit beaucoup de choses ensemble. On en refera encore ensemble. On est vraiment des frères. C'est les frères que j'ai pas eu. Hey, t'es mon frère. Allez, ils sont plus ligues. Mais non, mais c'est normal. Domi, je l'ai rencontré en école de commerce et il était comme moi. Il avait pas envie de faire du commerce. Il s'est mis à faire de la musique et maintenant on fait tout ensemble. Il fait les musiques que je chante. Il fait les arrangements. Mais il fait pas les arrangements, il fait la musique, qu'est-ce que tu crois? Compose. Il a coécrit le scénario avec moi, c'est pareil, c'est mon frère, c'est je lui donne un rein. Je lui donne un rein. Nico, c'est pareil. Alors bon, nous on l'appelle Nico, mais en fait son vrai nom c'est Iwe. Il vient d'être papa en plus, Mazel Tov. Du petit Elliot, on l'a croisé non, un jour dans les couloirs d'M6. Il venait de se faire virer d'une émission. Je lui ai dit qu'est-ce que... Ah non, j'avais démissionné. Wow. Il tire au détail. Il se planquait pour pas faire l'armée. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il me dit je suis cadreur. Je fais viens, c'est devenu le cadreur du morning. Et puis voilà, depuis on a fait tellement d'aventures ensemble. Et surtout, plus que toutes les aventures qu'on a pu faire, des aventures professionnelles, c'est ce qu'on arrive à vivre ensemble en tant qu'ami, en tant que... Métier aujourd'hui à vos côtés, c'est quoi? Mais il est réalisateur, lui. Il va faire son premier film, il fait les clips. C'est lui qui a fait ce matin, on va être une pure soirée. Ouais. C'est voilà, on a tous progressé ensemble. C'est ça qui est important, c'est de se serrer les coudes. Et ça continue. J'en passais des meilleurs. Ça, c'est Juju, c'est ma baboute. Ça a été une femme dans ma vie. Et on a réussi, comme tu le disais si bien tout à l'heure, à transformer l'amour en amitié. C'est ma meilleure amie. Et je l'appelle quand je vais pas bien. Elle m'appelle quand elle va pas bien. Et regarde, elles s'aiment toutes les deux et on va faire des trucs à 40.
fameux. Et c'est une fille formidable qui c'est le plus gros cerveau qui existe sur Terre. C'est cette oui, fille. C'est répertorié. Ouais, c'est elle. Et puis ça, c'est ma douce, c'est ma belle, c'est ma chérie, c'est Isabelle qui que le public va découvrir à partir d'aujourd'hui. Qui est une actrice formidable et plus qu'une actrice formidable, c'est ma partenaire dans la vie, qui m'accompagne dans tout ce que je fais, qui m'aide dans tout ce que je fais. Je lui dois au moins 49% du film, 49 parce qu'il ne faut pas déconner pour les déclarer. Qui est-ce qui paye les impôts jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même Bibi. Et là, je suis super content et je vous remercie vraiment, Frédéric et Catherine, d'avoir réuni cette famille-là parce que vraiment, c'est ma famille, c'est les gens avec qui j'aime être, c'est les gens avec qui j'aime faire la fête, avec qui j'aime élaborer des projets parce que c'est comme ça que j'ai décidé de vivre ma vie. Moi, c'est de construire des trucs avec eux. Je vous remercie. Merci. Moi, j'ai remercié d'avoir fait le show. Merci beaucoup. Les complices de Mickaël. Eve. Elle a adopté votre chien. J'ai pris quelqu'un de ta famille, désolé. Mais toi, j'ai même pas parlé de lui. Eve, un mot sur chacune de ces personnes. Eh ben oui, ben, on reconnaît quand même Vincent McDo. Vous n'avez pas reconnu tout de suite. Donc non. Il n'y avait pas que des méchants dans l'inferme des célébrités. Alors Vincent, j'ai appris à le connaître au début. On ne parlait pas trop ensemble. Et au bout de 2 semaines, quand Mia est partie, eh ben, on a plus appris à se connaître parce que du coup, c'était sa copine Mia au départ. Ouais. Et du coup, ben, on s'est retrouvés plus mais ensemble. Mais au début, on a eu des préjugés sur elle à cause de sa blondeur et ses bêtises. Mais finalement, elle a fait un atout de tout ça. Et maintenant, nous avons elle. Preuve d'autodérision incroyable. Puis Vincent, j'aime bien, il est émotif. Voilà. Donc je suis contente qu'il soit venu parce que j'aime les gens émotifs et qui sont sincères et qui sont Grand cœur. Mon frère, non mais c'est vraiment mon frère, je suis contente que ça vienne. Mon vrai frère, parce qu'il fait jamais de télé, c'est la première fois, donc merci mon frère. Non, merci très fort d'être venu. Audrey, mon ami, ma meilleure amie de collège. De collège. Elle vous a connu quand vous rêviez. Ah ben exactement, elle me portait mon sac. C'est pour un truc qui vient, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'accord. Elle m'a dit, oh, tiens, parce que j'étais maigre. Elle m'a dit, si tu veux, je peux t'aider à porter ton sac. Et j'ai trouvé ça adorable. Vous pensez que vous n'arriviez pas à porter votre sac? Ah, mais il était énorme, c'était la rentrée. À la rentrée, on a des livres, je ne sais pas si vous rappelez la rentrée, c'est une horreur. C'est on a 3 minutes et elle m'a aidé à porter mon sac. Et Michel, on en a parlé tout à l'heure, c'est votre mari. Bah, et il est dans votre vie depuis 13 ans, il a cru en vous avant tout le monde. Michel Rostin, merci à tous. Merci. Alors je rappelle, Eve. Je rappelle que vous serez au Festival d'Avignon tout l'été. Tout l'été. Vous serez au Festival d'Avignon tout l'été, c'est très important. Attends, je vais faire votre promo juste après. Je m'en fous, bousille-lui sur le star. Au Festival d'Avignon dans ce spectacle drôle malgré moi et à la rentrée au Petit Gymnase à Paris. Et puis Mickaël Youn, je rappelle un moment important aujourd'hui puisqu'il a sorti son film en tant que réalisateur fatal. Film très très réussi, allez le voir, vous allez beaucoup rire, je vous le garantis. Merci à vous et je termine cette émission par Oscar Wilde qui disait, et vous l'illustrez tous les deux très bien, il faut viser la lune car même en cas d'échec on atterrit toujours dans les étoiles. Merci à vous, on se retrouve dans 15 jours.